de responsabilité. C'est un patriote conséquent. Yo dit nous, ou est Gary Conille? Si monsieur, t'as pris un côté papal, m'papa nous menti, non seulement misap strict, et mis, le monsieur prend une décision que le pral prend là, misap sévère, et la prend en faveur pays. Peut-être que, il doit avoir une minorité qui ne doit pas comprendre ou bien qui pas en faveur des matchs, monsieur, yo, mais la, en faveur majorité. M'cherche bagay de Gary Conille, parce que pas oublier, Gary Conille, t'es premier ministre sous Matéli. C'était 2011 pour 2012. Monsieur fait 8 mois comme premier ministre. Monsieur tourne dans le pays, m'a dit environ 13 ans après. M'a dit 12 ans après. Quel âge comme dégain? OK, ça veut dire que faut que nous comprenions la réalité. Ça c'est là pour être capable de comprendre que m'ta pour dans 18 points pour m'avancer. Ou dire que d'ab dit tout clairement, est-ce que bientôt t'as suivre politique à 17-18 ans. Est-ce que nous comprenons moins? Mais quelque part, m'a dit nous oui, bientôt, m'a suivi la situation du domaine politique. Alors, m'a pas de focus. Mais sauf que tant d'émissions politiques, dès qu'on fait ça en pile. Même vraiment, vu une focus sur tant de politiques, c'était en 2013-2014, lorsque Laurent Lamotte pral tombé comme premier ministre. Moi, songez ça, la de l'eau sortit dans yeux Lamotte. 12 décembre 2014. Et c'est là que ça me met en fixation sous affaire politique. Parce que je me rappelle, qui radio qui était plus attaqué la mort à l'époque? Et c'est là que ça me commence à réfléchir bientôt. Je me dis, comment je comprends la réalité? Le ça me dit, ouais, radio était les zéniths. Là, je me dis, non. Ronnie Colin fait payer ça mal là. Je ne comprends la réalité, oui. Ou alors on a décidé de mettre le bon côté, un petit clan, un petit groupe voix, un volet, qui n'est pas haïtien. Qui pas décide de faire rien dans le pays, mais qui décide de botter tout sa pays comme l'argent. Ou alors on décide de mettre on nèg pareil, ou décide de mettre le service nèg sa yo. Son nèg ou de prendre ou panni sous place publique, oui. Monsieur 2014, 2013-2014, moun ka pas attaquer la mort sans camper, c'est Radio Zenith. Là, ça te gon émission qui te le très matinal. Louko Desi là dans l'autre. Louko Desi m'a enragé. Vle ou la mort à l'époque. M'songe. Gon émission que m'dap suivre. Yo dit Louko que la mode besoin pour arrêter attaquer Louko crie dans la radio Louko a gagné. Pas j'aime dégager ça du tout. Par conséquent, c'est des groupes moun qui dans dos ou Nicolas avec équipe li qui a essayé pousser Louko à l'excès. Parce que tout simplement à l'époque, la mode vient à une idée bail courant 24 heures sur 24 dans 22 mois. Oh oh. Mais qui côté la mode t'a pas passer toute péripétie. Mais comme ça c'est pas lui-même qui débat dans l'émission, mais peut-être qu'on va tourner sur lui, il y a l'autre là où du moins c'est fait émission. Mais cependant, dis-nous que, docteur Gary Conille, monsieur Vini là, il y a un pile causé qui commence à parler. Et je dis, hein, qui c'est 6 et juin 2024 là, nous venons dire qui choye. Non seulement, nous avons façon que nous avons Gary Conille et nous décidons pour que nous-mêmes en tant que médias, pour nous parler avec Gary Conille. Et en plus de ça, mal plus loin, pour m'aller chercher Zona Kalalo. Pendant ma fond virant Dominicani, eh bien, connaît que j'ai des amis qui proches des médias dominicains et qui proches du gouvernement Luis Abinadel, qui est au pouvoir là. Mon grand ami même, c'est son bon bagage, monsieur, franchement, monsieur travaille dans le consulat dominicain, qui est dans Brickell Avenue, dans Downtown Miami. Monsieur, c'est vraiment, son équipe qui a ambition politique, mais ça va avancer. Monsieur, son proche, Abinadel, c'est petit garçon Abinadel. Et monsieur, c'est un nègre comme si, c'est comme si m'a dit, monsieur, son frère haïtien. Et nous, presque, parler chaque jour. Et monsieur, pas de me comprendre la réalité politique pays. Monsieur, parle de Haïti de temps en temps. Mais monsieur, ouais, Haïti, l'autre façon par rapport, alors, qui est différent par rapport avec l'autre dominicain, qui parle, ouais, les haïtiens, qui parle, ouais, Haïti. Monsieur Dieu consacré, là, monsieur parle de Haïti ensemble avant. Ouais, monsieur, franchement, ça montre que y a Dominique qui moun. Monsieur Dieu, et Belto, comme si il consacrait les moins. Monsieur Haïti, c'est Bessin au pays. Haïtiano, c'est Amingo, Primo, Gobren Elmano. Comme si Haïti, c'est frère, c'est cousin. Gonzame Djoulan, c'est tout bagay net.
Et, monsieur, comme si, où est Haïti pas supposé dans l'état ça? Même si APC dit nous, nous même en tant que jeunes, il faut que nous prenions la responsabilité nous pour que nous changions de politique dans le pays d'Haïti. Et, monsieur, dit comme ça que la jeunesse dominicaine, eh bien, yo même, yo invité yo pour que yo rentre dans sa affaire politique. Et Abinadel fait promotion pour que jeune yo kembe l'école yo en Dominicani. Kembe l'école yo parce que imbécile pap vin dirige la Dominicani. C'est moun ki konn li, c'est moun ki bien formé, OK? Bien éduqué, kap vin dirige la Dominicani parce que Dominicani ki yo besoin en 2030 lan pour arriver 2050 lan, son Dominicani côté que comme si son pays que tout pays a pas envie que le monde l'a bien focus sur lui. Son petit pays que tout le monde l'a bien focus sur lui. Mais quelque part politique la Dominicanie envers Haïti, l'hypothèse est fuite pour la Dominicanie, mais Haïti a toujours représenté une véritable menace pour la Dominicanie en bon créole. Et bien, avec arrivé docteur Kony, gon plein gonyen dans couloir politique dominicain, dans couloir gouvernement Abinadel, dans couloir média pour gouvernement dominicain. Qui ça va galayer? Gary Kony, pardon. Dominicain yo getan couri. Alfon vraiment ou lecture de couri. Alors, couri kou l'am vite. Et m capable de dire, docteur Gary Kony, ou bien al chercher qui contrôle Canada des monsieur. Yo e Gary Kony, c'est yon haïtien qui gon connexion tête chargée à l'échelle internationale. C'est que qui baille que sauter avec la Dominicanie. Ça fait ingérence ou du moins hypocrisie politique, diplomatique que Luis Abinadel t'a fait depuis après assassinat président Jovenel Moïse, côté que monsieur montrait que la plainte pour douleur, calamité haïtien à vivre en matière de sécurité. Et puis en même temps, lui-même, la banque des affaires personnelles, pour le passer comme maître de l'île. Monsieur senti que, avec arrivé docteur Gary Kony comme nouveau premier ministre, les papes gagnent accès à ça, les papes pouvoir ça. Et Gary Kony plus compétent. Gary Kony plus compétent. Monsieur plus bien monté, son tête qui plus bien faite. Et monsieur gardé, qui est-ce qui Gary Kony? Il va se prendre qui son équipe mieux placé. Gary Kony, c'est petite Nations Unies. Ah, papa, attendez bien, oui. Et c'est là, m'a dit, nous, peut-être nous capables de bon chance là, si que docteur Gary Kony respecte nos Kony là, que papa le bali. Papal, c'était un Duvalieris. Si docteur Gary Kony respecte non Kony là, à 58 ans, si l'envie quitte non ça pour petite li fier de non ça, le haïtien ouais petite Gary Kony, pour bayo la main, mette chapeau bas devant yo, si docteur Gary Kony envie quitte ça pour petite li, on pas bah nous sauver. Oh, dis nous mon cher nous sauver. On va parler qui chez avec nous. Parce que je dis, c'est 6 avril. Alors, pardon, c'est micro de quoi là, 6 avril là. C'est 6 juin 2000, mais quoi qui est passé 6 avril, il va être chargé. Et quoi que date s'arrête là. En tout cas, date s'arrête là, attendez. Je veux dire, c'est 6 juin 2024. Et docteur Gary Kony, demain si Dieu veut, a fait président Jovenel Moïse 35 mois. Depuis que, nèg avec femme qui a fait politique en Haïti, assassiné. D'accord, Kony. Ou gen les assassins Jovenel Moïse kap défilé dans couloir primature là. Faites attention. Ou pas à l'abri tout parce que depuis ou comme menace, yo ka rentrer dans chambre. Dans chambre hôtel koto. Surtout quand dans hôtel Waldesan. Waldesan dans hôtel Boulos. C'est malhonnête. Nou pa dire non. Un cachet, mais cachet le brique non. Dans hôtel Boulos Waldesan. Qui est-ce qu'elle met dans hôtel Boulos là? Waldesan dans hôtel Boulos. Boulos qui était couru quelques jours avant assassinat président Jovenel Moïse, il était passé là pour tourner pays quelques jours après, il pas qu'à tourner parce que non tellement cité fort, il pas une explication pour le bail, pas de l'eau pour laver, il pas média capable cleaner tant que Clorox. Vous comprenez moi? Boulos obligé de dire. Pardon, docteur Kony. Et bon dis nous Gary Kony pour proche gouvernement dominicain et la média pro gouvernement dominicain ou yo wè docteur Kony comme une véritable menace, comme une véritable menace. M'a rappelé nous que et c'est là yo tourné qu'on est que me regrette infiniment et m'a dit publiquement me regrette monsieur parce que moi j'ai mis en pile et peut-être que pas de problème ensemble avec
docteur Claude Joseph. Mais franchement, moi même ça mort. Monsieur fait des bagailles que me pas comprendre qui dérangeait me dit tête moi Clément bam pour recul parce que sacrifice que nous fait pour pays a pas mal qui ton nèg cap foncer des coupes que me pas comprendre vienne faire au discréditer dans bataille que n'a fait mais bien que pas gagne mon cap poser faire ça parce que des bon nèg rentrer dans bagaille qui mal rentrer dans volo pour mon cap c'est volo c'est moi même m'pas dans tolérance avec personne mais ça que fait me dit nous moi docteur Claude Joseph c'est l'homme garder moi qualité bataille et c'est même bagaille la vienne paraître là pour ironie. C'est l'homme garder moi qualité bataille que n'a mené docteur Claude Joseph qui veut joindre nous et monsieur gon poids politique que le prend sous Zilea et que chaque fois monsieur parler en Haïti Zilea répond Zilea attendez et puis des politiciens dominicains ou du moins l'état dominicain et moi président Luis Abinadel a répondre Claude Joseph qui pas autorité encore attendez bien oui ou ka comprendre ça veut dire Claude Joseph ancien premier ministre ancien ministre affaires étrangères Ariel Henry humilié monsieur nos gouvernement monsieur pas premier ministre. Monsieur comme simple citoyen seulement, vigne un homme politique qui a de médias en ligne solide ensemble avec qui cohérent, qui conséquent. Monsieur gonti un poids politique que le prend. Le Claude Joseph font tweet seulement. Pardon. Le docteur Claude Joseph fait un tweet seulement. Ou est ou senti Zilea répondre ça monsieur dit et comprendre ça monsieur dit. Et pour les médias dominicains répondre et pour autorité officielle dominicain répondre déclaration Claude Joseph. Et puis par la suite Abinadel senti que monsieur tellement paniqué, il faut qu'il pose une action. Il décide pour le prendre, sanction ou du moins interdit, docteur Claude Joseph rentrer sur le territoire de la Kaili. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Ça veut dire que Claude Joseph a une dimension politique extraordinaire que monsieur te prend sous Zilea, qui te prend un gros impact à l'échelle internationale, qui te prend le fait que monsieur n'a pas venu un véritable leader. Parce que nous t'avons bien, monsieur. Claude Joseph, dit pas besoin de ça. Monsieur décide de faire une bataille Haïti pour défendre Haïti en face à Dominicani, ou du moins en face à l'internationaliste dominicain ou vague. Monsieur décide de tourner deux bails jeunesse haïtienne qui croient dans lui. Vague. Monsieur décide pour que alors les suspend jeunes support diaspora haïtienne. Il décide pour le suspendre jeune. Monsieur décide pour le tourner dos. Et Claude Joseph, stratégie politique Claude Joseph là, c'est même pratique politique traditionnelle, pas sérieux, bluffé, qui crase Haïti pendant 30 dernières années. C'est vraiment malhonnête, c'est regrettable, mais m'abdil quand même, parce que démarche politique de Claude Joseph pour le moment, ouais, c'est même démarche politique, ravette politique criminelle assassin qui volait comme paysan, qui met Haïti au service des oligarques corrompus et qui n'a trouvé président. Ça veut dire que Claude Joseph sentit qu'elle était trop propre, trop belle. Avec bel mouvement politique, côté qu'elle a invité la jeunesse, parce que tout côté, diaspora haïtienne derrière, monsieur senti que le trop belle, trop propre pour ça. Monsieur envie à bien dans la boue, moi Jean-Charles là. Et ouais, monsieur, kembe moi Jean-Charles avec toutes mes salles là, passe mes moi Jean-Charles dans cool. L'offre ça, ou perdu, yon bagay qu'on pas ka jouen encore. Ou du moins, c'est extrêmement difficile pour qu'on jouen. C'est pas ça débat. C'était juste une petite parenthèse. Tendez ça. Docteur Gariconi, et ça qu'a parlé en Dominicani avec nos monsieur, yo ouais monsieur comme yon menace pour intérêt la Dominicani en Haïti. Ha monsieur. Go bagay que m'te dit semaine qui s'est passée. M'a réitéré ça que m'te dit et semaine qui s'est passée. La émission ça pas j'ai oublié ça. Jodi en 6 juin 2024. Ou sous plateforme YouTube, Info Bertoa. Moins content pour ensemble avec nous. Ici, c'est Vite Pao. Bertou, ou connaît nous, sous nom Info Bertou. Bon, question que m'te posé. Le que des autorités, en dedans gouvernement, Luis Abinadel là, et cela me dit nous, oui, ou est-ce si n'a fait politique éclairée? Challenge politique là, doué la Dominicanie. Challenge dirigé ya, parce que diriger, c'est prévoir. Faites la politique, c'est défendre société ou défendre pays ou défendre peuple pour créer conditions pour que moun fonctionne, protéger moun. Faites la politique. Ok? Eh bien, challenge politique nous a supposé politicien dominicain yo, dirigeant dominicain yo.
OK. Pour moi, parce que je suspecte qu'on bagaille. Meilleure façon, ou du moins facilité que nous avons gagné, pour alors Haïti gagné, pour que les fonds bagaille la Cali, c'est leur gagnon au pays qui dit bagaille mal de lui. Ou du moins, la Dominicaine qui tente dit bagaille mal de lui. Exemple, Canal Sourire Massacre là. Mes amis, j'ai envie de nous partager mission ça. Tant pis. Rendre tête ton service là. Rendre pays en service là. Rendre papa nation en service là. Partager mission en tout côté. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, partager avec tous les amis. Sur WhatsApp, justement, pour les clés, mettez le bouillot. Pour tout le monde capable de participer ensemble avec nous. Parce que moi, je trouve le lien extrêmement important pour nous gagner un pile haïtien dans l'émission ça je dis. Moi, je te pose une question. Qui ça? Qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Et pour qui raison? Chaque le gagnon haïtien qui comprennent très bien politique Zilea, qui comprennent très bien politique internationale gagnon enfin comme si dans la Coupe d'Haïti, qui comprennent très bien et stratégie politique dominicaine, un dirigeant qui a une dimension extraordinaire, qui est bien instruit, bien éduqué, ok, qui franchement bien formé, qui décide de faire de la politique en faveur du peuple, qui ça fait que la Dominicaine ou elle comme une menace. Avec arrivé ancien sénateur Guy Philippe, c'était 3 décembre 2023, Guy Philippe quittait la DCPJ. Pour prendre direction Gredas. Guy Philippe commence à poser des actions concrètes. Il fait des discours dans le sud au Kay. Il marche plusieurs côtés dans quelques sections communales dans la zone de la Kay pour saluer Mounio. Parce que 6 ans, 7 mois d'ailleurs, c'est pour un jeu de Kélié. Il prend la parole officiellement dans Ville Jérémy c'était 5 décembre 2023 il prend la parole officiellement. C'était 5 décembre 2023. N'a parlé de commandant en chef révolution que n'a regardé sur écran. Ancien sénateur Guy Philippe. Qui te prend la parole officiellement dans le pays d'Haïti sous place publique Jérémy. 5 décembre 2023. Ça va bien, oui. Là, nous allons dans l'autre déclaration que des proches gouvernement dominicain a fait. Côté que, ouais, docteur Gariconi, comme une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Qui ça qui intérêt la Dominicanie? Yo te dit pour Guy Philippe, m'a fait râler sous ça que yo te dit de Guy Philippe et ça que me te dit. Et information que m'te gagné, m'pour le partager ensemble avec nous, et m'pour le nous raison qui cause yo docteur Koni, comme nouveau premier ministre pays d'Haïti, chef gouvernement, yon est qui compétent, yon est qui gon canal adresse qui bien charpenté, vous comprenez ça, mais yon qui bien rempli, yo docteur Koni, comme yon véritable menace. Pour Guy Philippe, yo te dit ouvertement. Là, Guy Philippe prend la parole officiellement. Dans la grandance,
li annonce que 1er janvier 2024, li invite tout moun go naïve. Préparez-nous, nous pral fêter fête indépendance paysan pendant que nous avons tout lancé révolution pacifique pour libération. Tenez bien, oui, m'a précisé ça que je dis. Pendant que nous avons tout lancé révolution pacifique pour libération pays d'Haïti 2024. Il te dit ouvertement que 2024 ça a marqué un tournant dans l'histoire nous comme peuple. Peuple haïtien. C'est des gros bagay, oui. C'est des gros causes. OK? C'est des gros bagay. Eh bien, alors, comment a Guy Philippe? Fin fait déclaration sous plage Jérémien. Pile en pile, moun. Moun, la Tibonique, comment se préparer? Gen deux bases. Et c'est là où il y a un exemple vivant qui montre où le gen yon leader qui gen crédibilité. Le li met pied l'on côté. Ou est tout le monde qui pas t'entendre, yon gon facilité pour entendre yon, oui. Te gen raboto avec des cas ou dans la Tibonite, deux zones ça ou pas de bien. Et bien, le Guy Philippe annonce qu'il a go naïve, tous les débats yon a préparé pour t'en Guy Philippe. Oh oh, ça veut dire que yon facilité, yon point commun, yon entente qui est capable de jouer. Effectivement, 1er janvier 2024. De manière stratégique, Guy Philippe a pris direction le Grand Nord. Et qui parie là interdit yon compagnie d'avion pour pas porter Guy Philippe. Et là, Guy Philippe vient joindre une potel, yon même menacé pour retirer licence li. Guy Philippe pas de possibilité pour te tourner de cap haïtien avec grandance sous ti avion ça encore. Mais, m'a dit nous ça très bien, en nous rete sous 1er janvier, Guy Philippe. De 5 jeunes rivières une possibilité pour arriver cap haïtien. Le rivier cap haïtien, ils font déclaration et ils disent t'as l'air qu'on naïve. Effectivement vrai, Guy Philippe avec équipe prend direction Gonaïve. Guy Philippe rivier Gonaïve, bon 2h30 de l'après-midi. C'était rad maré dans Gonaïve, nous te voyons imagio. N'a prêté sous, tenez bien oui, n'a pas fait politique éclairée. M'a invité toutes amis, famille, plateforme, YouTube et Foubeto, aide me faire ça. On nous fait politique éclairée parce que je dis, pour ça que moi, la Dominicanie a fait comme exploit sous Iléa, nous même en tant que haïtiens, nous devons changer physique nos épaules pour que nous fassions l'autre modèle politique. Et ça cause, moi dis bravo, oui, moi dis bravo au vêtement avec Teriel Delus, qui a supporté Dr. Gary Conille. Moi dis bravo avec John Colem Movan, qui a supporté Dr. Gary Conille. Mais ce n'est pas besoin d'attaquer avec Clef Jean. Mais ce n'est pas parce que, comme si je dis, moi-même, je fais ce que moi avec Clef. Non, je m'a demandé nous. Attaquer avec Clef Jean, pas important. Au contraire, peut-être nous plus, dis avec Clef Jean, mais ça que nous voulons, à nous entendre pour nous faire bagaille. Parce que si nous ne faisons pas de nous peut-être nous inviter l'émission. Au lieu de nous attaquer pour nous dénigrer. Moi, elle pas make sense. Il n'est pas comme si, il n'est pas pour des résultats. Parce que, nous qui avons Clef Jean, la Dominique a gagné, elle alpha, elle jefe. Ok? Elle alpha. Yo respecte elle alpha. Elle alpha pas de gagne, pas de gagne, pas de gagne, pas de gagne, pile bagaille dans le pays. L'État Dominique crée conditions pour que tout le monde capable de vivre dans le pays. Elle alpha ou elle même, elle doit gagner un big mention en Dominicanie. Elle doit faire belle vidéo en Dominicanie. La Dominicanie est stabilité. Président dominicain mène un coup avec El Alpha. Par conséquent, El Alpha dit que lui-même met tel président que le terrain met. C'était ancien président. Mais par conséquent, président que El Alpha remet, il n'est pas président, non? C'est Abinadel qui est le président. Eh bien, El Alpha still relé. Luis Abinadel dans le téléphone pour le relé. El président, tel commandant de suprême de tel barré l'armée, il félicite lui. C'est pour la République dominicaine. Monsieur, on va essayer de faire un bagage qui est différent par rapport avec et façon que médias traditionnels là et qu'on a comporté yo envers des superstars du moins des artistes que nous gagnons. On a évité ça, on nous fait l'autre bagaille. M'a parlé de Morvan et puis Teriel Telus. Nous c'est deux jeunes garçons
attaque Wyclef pas pote fruit, pas pote résultat. Plutôt nous inviter, monsieur, questionner monsieur même. Teriel gon facilité. Ou tout New York, Wyclef tout New York. Invite Wyclef dans le studio même. Ou du moins, prends espace. Invite monsieur directement, moi m'affel. Ok? M'a invité Wyclef, m'a prends espace même. M'a invité Wyclef et m'a sous plateau ensemble même pour me questionner Wyclef. M'a fait. Ok? Moi, m'a pas de décider de faire ça, m'a parle avec Wyclef tout le temps. Même décider de faire pour que m'a parle avec monsieur de face to face. Parce que moi, on est capable tout le monde mentor ou pas capable de mentor. Négatif. Ou tout qu'on est que ce soit venu participer dans l'émission ou du moins souvenir par la vérité. C'est clair. Mais on nous évite faire des attaques sur Wyclef Jean. Parce que il y a des attaques que nous fait sur Wyclef Jean, il y a tout dit ou travaille pour Dimitri Vob. Il y a tout dit clairement ou travaille pour Dimitri Vob. Ou travaille pour le système non. Parce que pas oublier, l'oligarchie pour y sentir haïtien non, il pas vle Wyclef, il pas vle Wyclef, nous le nous conseil. C'est-à-dire que nous même qui gagne micro pas nous qui gagne diaspora haïtien qui monde de bien cap suivre nous. Là n'a monter audience pour attaquer de haïtien dans diaspora qui peut-être pas gomba dans pays d'Haïti, mais nous pas questionner réseau qui cause pas dans pays d'Haïti. Li dit oui. Il faut nous faire très attention pour pas mettre étiquette ça sous dos nous. En avance. Intérêt la Dominicanie en Haïti. Là que tu attaqué Guy Philippe. Et mes amis mal loin. Et ça le chaque grand monde qui est ensemble avec nous là, ça le Teriel Telus, ça le Busta John, ça le Jimmy Mouna fait bon TV. Salut Hébert Tochon, salut Denise, me salue Tcheko Pepla parler Haïti. Busta John madame Sarah Zamim. Et me salue Pasteur Kayo, OK? Pasteur Kayo, salut Pasteur Kayo. Pasteur Kayo faut nous parler sous temps d'émission hein. Faut nous parler hier qui ton message moi désolé, n'ta prendre classe mode ko capable et rejoignez nous, d'accord? Pasteur Kayo faut nous parler. Faut nous parler, c'est très intéressant. Faut nous parler. C'est quand pile bagay kap passé là, moi besoin plus explication pour que me comprenne. Parce que nous très prudent avec des monde ça yo. Là qui Philippe rive go naïve. Monsieur fait radmaré, raboto sorti, décao sorti, deux zones qui pas bien, yo tout font sale tout monde maintenant coup. Tout leader zone ça yo maintenant coup. Guy Philippe son signal, son exemple vivant qui montre que Haïti est capable de mettre tête ensemble pour parler seule parole intérêt dans intérêt Haïti de go naïve et 7 8 heures du soir Guy Philippe rentre capable ici encore. Guy Philippe te pour te faire rouler dans capable ici c'était 2 janvier. Te gagne en pile l'appui dans go naïve, ça veut faire que Guy Philippe pas capable sortir. Qui veut te gen jeb de fleurs pour le talpoter dans monument dans le noyau. Mais Guy Philippe Reville est tellement sale, fatra la boule de senti. Monsieur dit qu'il n'a pas intérêt pour le marcher sur fatra de senti, pour le mettre en jeb de fleurs dans pied et yon nan. Et bah, qui est important pour nous. Monsieur Pafel. Guy Philippe prend décide pour que li rentre et dans le département de ce pays. Pour que li aller sous canal là. Pour aller sous canal là. OK? Eh bien, effectivement, le 3 janvier 2024, et m'a dit nous ça encore une fois. Gary Konite te met vin là, bien programmé avec toute salle qui dans tête li. Mais ou même comme peuple, ou même comme jeune garçon haïtien, soit faire politique éclairée ou c'est moun ou décider battre avec tout nan ou c'est pas l'argent à chercher ou qu'a déprogrammer Gary Koni pour programmer en faveur peuple haïtien en faveur peuple pays d'Haïti. Et m'a dit ça honnêtement, on nous pas attaquer monsieur. On nous ba monsieur ayoué libre. On nous veiller quel que soit avec politique criminel assassin qui besoin poste dans gouvernement qui pas jeune qui vient attaquer monsieur pour nous foutre les bois calés dans les médias. Et automatiquement nous fait ça. Monsieur devant fait accompli. Nous pas quitter nèg vinn saboter vinn rendre Port-au-Prince invivable du tout pour que on nèg vinn dit nous tel bagage tel bagage n'a mettre stabilité dans Port-au-Prince. Attendez a gagné yon comme dit que ça pas quitter ravette vinn faire comment il écraser briser manifester pas gagné ça. Nous ba monsieur yon highway politique avec le pouvoir là, mais parce que pas oublier son groupe coquin qui décide rentrer dès yon téléphone de manière stratégique dans coquin yon prend pouvoir peuple là. Mais là, on prend pouvoir peuple qui soit doit faire comme peuple ou même, ou de camper.
Pour dire que monsieur Vinland en jette coquin, eh bien, moi, je décide pour programmer. Pour déprogrammer et pour nous programmer en faveur nous. Et garçon, avec un discours pareil, ou pas capable de programmer en faveur nous. Et qu'on fasse que nous bons au champ libre, ce celle-ci ou pas ta petite, papa ou, monsieur Koni, qui c'était un duvalieris 100% pour t'avoir vin détruire Haïti plus davantage avec criminels. Ou doit venir là avec de nouvelles têtes. Et ça, cause moi dit, bravo avec Gary Koni. Monsieur dit que lui prioriser la jeunesse pour que yo intégrer gouvernement. Me dit bravo. Monsieur prioriser femme yo pour que yo intégrer pouvoir politique là. Me dit bravo. Docteur Koni, sou capable prendre 3 ou 4 ministres qui sont dans diaspora pour bail par exemple ministère affaires étrangères. Ah oui, ministère affaires étrangères. Ou chercher un haïtien conséquent. Ah oui, un haïtien conséquent. Ou mettez, alors qui était dans l'armée américaine, qui a formation militaire, ou prend monsieur, avec passeport américain l'amène, ou le mettez dans tête ministère de force dans le pays d'Haïti. Parce que il y a des haïtiens qui tellement envie de Haïti, oh, ou prend un haïtien conséquent, ou le mettez dans tête ministère de force en Haïti. Ou cherchez un haïtien conséquent dans la diaspora, ou mettez-le comme ministre de l'intérieur. Man vi ou bagay comme ça, intégration la diaspora haïtienne, présence diaspora paraît physique dans le gouvernement pays d'Haïti. Et pour prendre un directeur général douane qui connaît l'administration bien dans diaspora, ou mettez comme directeur général la douane et qui pral créer une facilité pour l'État collecter l'argent. Mais l'État n'a pas besoin de rançonner haïtien malheureux qui a fait un conteneur. Mais il a besoin pour tout le monde payer un petit monnaie et puis le monnaie a vu un château l'argent. Et pour une seule catégorie de monde qui doit payer, mais c'est tout le monde qui doit payer. M'a tourné sur ça, docteur Koni. Parce que moi, je dis que nous l'autre modèle politique. M'a salué les amis, madame Evelyne Louis. Je salue madame Ariana depuis Boston. James C. Atispam depuis Boston. Je salue. Je salue tous les amis captants de nous dans la ville Massachusetts. Je salue tous les amis captants de nous depuis New Jersey. Maraville, je salue. Je salue tous les amis captants de nous et zone Kai Biden, zone Delaware. Bobagay, je salue nous. Et Aïssé captant de nous depuis Washington DC. En pile respect, en pile l'amour pour nous. Moi, mais nous en pile. Vous allez tout frère avec ce capitaine de nous. Depuis Brooklyn, New York. Vous allez avec Clef Jean, capitaine de mission, ça peut être, dans moment ça. Et vous allez tout haïtien capitaine de nous dans la ville, New York. Vous comprenez moi? Et zone Nations Unies. Tout haïtien qui travaille dans Nations Unies, vous saluez nous. Vous saluez nous. Kembela. Et vos amis qui te recevoir nous dans les Nations Unies. Qui était prêt pour te faire tout parcours en dedans des Nations Unies ensemble avec nous. Je salue aux compatriotes. Kembela. Je salue détective Lubin. Ah oui, je salue détective Lubin. Yon est sage, yon est éclairé, yon haïtien le la parler au senti qui remet Haïti pour tout bon. Détective Lubin, depuis New York City. Je salue ou monsieur Lubin. Kembela. Et je salue tout haïtien qui vivent dans tout état États-Unis yo. Salut tout frère avec ceux qui vivent à Marseille, Paris, dans tout pays la France là. Respect pour nous. Moi salut tout haïtien qui vivent la Guyane française. Messieurs dames, chapeau bas. Haïtien qui vivent à Londres en Angleterre. Messieurs dames, chapeau bas, en pile l'amour pour nous. Haïtien qui vivent la Suisse. Messieurs dames, l'amour pour nous, respect pour nous. Salut tout compatriote haïtien qui vivent depuis Bahamas, Curaçao. Et je salue tout haïtien qui vivent la Martinique, la Guadeloupe. Vous comprenez moi? Tout haïtien qui vivent en République Dominicaine. Coulé avec nous là à côté. Et on te que me connaît bien. On te que me vive là-dedans. On te que me grand pile zami Dominicain là-dedans. Femme ou garçon. Et je salue tout haïtien qui vivent en Dominicanie. Je salue tout compatriote haïtien qui vivent en Haïti. Je salue nous tous en général. Que bon Dieu veille sur nous chaque jour. Et m'a demandé tout haïtien qui vit dans Port-au-Prince là, restez très très vigilant. Restez très très vigilant. Si nous capable quitter
quartier populaire de manière stratégique de temps en temps, en nous essayer faire. De manière stratégique, je bien dit, en nous essayer quitter quartier populaire de manière stratégique de temps en temps, en nous faire. Parce que, quel que soit Jean, ça y est, en dedans quartier populaire, yo, a bon bagay kap fait quand même. Quel que soit Jean, ça y est, en dedans quartier populaire, yo, a bon bagay kap fait quand même. On nous fait très attention. En avance. Intérêt la Dominicaine en Haïti. Exemple, première fois au deal. Yo dit, Guy Philippe représente une véritable menace pour la Dominicaine. Qui l'a dit? C'était après passage commandant Guy Philippe dans le département nord-est pays, dans le bas plein de Maribao, sous canal là. Imagine là, nous sommes capables d'aller le mettre sous écran pour vous. Et c'est quitter moi pour aller rentrer sous dossier docteur Gary Konian que en pile gros fonctionnaire, en pile gros gras, en pile gros gradé, en pile gros palto dans la presse dominicaine, dans le gouvernement dominicain, ouais docteur Konian comme une véritable menace pour la Dominicanie. Maintenant, si vous capable docteur Konian comme une véritable menace, et pas comme son menace comme son est capable qui va faire violence non, menace pour les intérêts. OK? Intérêt la Dominicanie. Qui ça qui intérêt la Dominicanie? Rete là toujours, n'a pas vini. Et m'ta remé pour docteur Konian, tendez émission ça parce que son émission sans pareil qu'a fait là, une émission avec un jeune garçon haïtien et une audience éclairée qui bien instruit, bien éduqué, qu'a tendé, qu'a regardé émission 1, son émission que vous devez tendre. Parce que pas oublier son émission qu'a fait, moun qu'a fait émission ça, c'est pas moun qu'a pral chercher job l'état. Et pas moun qu'a pral chercher job nan mais on, et pas moun qu'a pral chercher intérêt pour voler comme l'état. Son haïtien qui remet Haïti et qui gon latrier haïtien derrière dol qui remet Haïti quand vit tourner la caille, mais qu'a chercher ils vont aller mieux pour payer ça, pour peuple ça. Docteur Konian, nous pas boyons et un champ libre pour faire sauver nous. Nous boyons un champ libre pour faire exactement ça nous voulons. Voilà. Là qui Philippe rentre. Tout ça qui vous passe. Tout ça qui va vous passer. Là qui Philippe rentre là, li nan département nord-est pays. OK? Guy Philippe rentre là. Il est dans le département de ce pays. Et puis, il a annoncé que le projet Ariel. Il demande pour Ariel tomber. Mais pas oublier. Dans le moment, Ariel, c'est un véritable garant pour les intérêts de la République dominicaine en Haïti. En entendant la déclaration Guy Philippe Finfait, qui va que sauter avec la Dominicanie. C'est extrêmement important de rappeler ça pour nous capables de comprendre qui ça qui intérêt pays voisin là, qui ça qui dérange gouvernement voisin qui cause le nougon haïtien qui compétent qui montre un visage que le Haïti qui s'ak fait ouel comme une véritable menace. En tant de tical discours ça. Et puis la trième qui disponible qui fait que yo te dit que Philippe représente une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Attendez ça. Il va pas faire sans peuple là, il va pas faire sans nous. Mais on promet nous, nous-mêmes qui avons une bataille pour le peuple là, nous-mêmes qui voulons faire changement ça. Bataille que nous voulons mener contre le système ça, contre le statut quo ça. Il y a deux issues possibles. Ou bien criminel qui va vouloir Haïti passer sous un trahison nous, ou bien nous passer sous nous. C'est quoi ça vous lié? C'est seul que nous voulons Haïti que nous besoin. Encore une fois, mes amis, nous allons mettre, moi dis nous merci. Moi dis nous merci parce que nous baillons. On exemple le canal ça. On exemple que Haïti qui a mis ensemble. Que nous avons unis nous. Même force qui unit nous pour nous faire canal ça. On est unis nous pour nous jouer une force pour nous retirer Haïti dans sa salle. Nous capons. Si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Si le problème est sécurité avec le pays, non, moins que 90 jours, nous avons résolu. C'est mon problème grave. Il a Noël, mais qui a résoudre. C'est Ariel, c'est l'équipe Lyon, c'est volonté politique qui va gagner, qui fait insécurité là toujours. Je dis, nous ne pas faire violence, nous ne pas venir menacer la vie aucun monde. Nous juste dit Premier ministre, vous faites temps, vous faites l'heure, à la caille, allez, nous pas besoin encore. Pas de la chance. Et nous dit ambassade, surtout ambassade américaine, suspend appuyer Ariel. Parce que n'importe qui est victime, tout haïtien qui a mouru chaque jour, c'est sous responsabilité. Il a mouru. Peuple haïtien, revenez-vous. Merci. Bessap, vous voyez un gros coup de chapeau pour nous. Moi, je recommande nous accompagner le peuple tout le temps dans la bataille, la bataille de dignité. Et moi, je dis merci. Non, non, peuple haïtien, non, non, pas. Merci en pile. Moi, je connais. On nous fait la police nationale nous en confiance. On nous fait l'armée d'Haïti en confiance. On nous fait Bessap nous en confiance pour nous joindre à Haïti que nous besoin. Comment nous comprendre?
que l'ambassade américaine dit, il va appeler la médaille d'Haïti, travail pour pays. Pendant ce temps, il y a les 300 soldats et Kenya pour vivre une bonne sécurité. Ça veut dire. Ça veut dire. Pourquoi ça n'a pas payé l'exil? Pourquoi ça n'a pas payé la maison? La maison, ça dit c'est l'eau. Pendant que vous avez la maison, sécuriser le peuple là, c'est la maison qui a sécurisé Ariel. Pendant que vous avez la. Voilà, pas oublier, non? Déclaration a été faite 3 janvier 2024. Ben, moi, avancer toujours pour me permettre de comprendre la réalité qui gagnait. Et des bagages ça. Mais qui ça qui met image qui va être sauté là? Non seulement des filles, des strictes, et puis, gardez pour le monde qui Philippe te drainé. Gardez pour le monde qui Philippe te drainé, non, bas plein Marie Barreau, en face médias dominicains. Et pendant que Philippe a parlé, hein, tu as tout médias dominicains là, qui drone sous tête Guy Philippe, non seulement a filmé, et il y a des micros qui ont mis sous tête bout de mi paroi pour y a prendre ça Guy Philippe. Parce que Guy Philippe a parlé dans micro, on choque ça on. Et Dominique a enregistré, il y a des gens qui ont infiltré full noir, qui et prennent des bagailles pour eux. Par la suite, Guy Philippe quitté le département Nord-Est, Radmaré était fait, on me dit, nous, à l'image. Radmaré, c'est full monde, regardez pour nous. Eni. Full moon. OK? Full moon t'es effectivement et derrière Guy Philippe dans bas plaine Maribao. Et par la suite, ça que t'as pas le gagné. Yo pral wè Guy Philippe et Dominique yo dit que yo wè révolution que commandant Guy Philippe a lancé a pouné a yo wè comme véritable menace pour la Dominicanie. Vous avez bien, oui? Yo wel comme une véritable menace pour la Dominicanie. Mais menace pour intérêt. Yo wel Guy Philippe comme véritable menace. Bam, bam, rectifier, oui. Yo wel Guy Philippe comme une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Maintenant, ça va me pousser pour me chercher à comprendre parce que, pas oublier, et si que ou parle pour le pays d'Haïti, ou envie ou pays ou changer, ou pareil pour aller l'autre pays. Mais c'est chercher à comprendre une raison qui cause notre pays en belle. Et puis pour vous-même, pour dire tout, qui est-ce que je suis capable de prendre? La Dominicanie n'est pas trahie, elle est trahie. Au contraire, vous êtes la caille, vous êtes le gars de qui j'ai noté fait, zone quoi beau sale noir à la ville là, et puis pour vous-même, vous êtes prêts, vous êtes capable de faire, Condé, ça nous est mal dans la Dominicanie. Dominicanie a gardé une série de zones dans États-Unis pour le faire construire la caille. Elle garde une série de buildings qui fait États-Unis pour regarder comment tu vas investir. Alors, et parler avec investisseurs pour t'avoir une fait même investissement ça en Dominicanie. Dominicanie bataille pour qu'elle gagne hard work la Kaili. Elle gagne hard work là, elle gagne hard work casino la Kaili, elle gagne hard work hôtel la Kaili parce que pas oublier guitare là, il va le construire Jean Ouelier dans Miami, il va le construire en Dominicanie. Casino en guitare là, plage en guitare là, tout bail en guitare là, tout espace qui est disponible. Dominique qui est en bail tout espace ça net. Avec un investisseur ça yo. C'est chaîne appartement qu'a construit en dedans à Douok là. En dedans. Et pour nous t'a problème babalo. Mais nous même automatiquement nous t'a des étrangers qui vini, ou après oligarque là commencer bail et instruction avec des médias traditionnels pour dire que oh oui, il tel dirigeant qu'a vendre pays là. Pas qu'à comprendre bagaille ça même. Oh oui, dirigeant qu'a vendre pays là pour qu'a prendre ressources nous en bataille. Pays a prêt n'état qu'elle trouver là. Qui ça fait Dominicain pas jamais plein ou il a vienne prendre ressources lui. Et puis la paix des bail tout étranger pas qu'elle partie dans pays là. C'est ça qui fait développer. Nous, ou oui, nous avons richesse, nous manger sous fatra, nous avons dominé un grand goût, et puis Dominicain a avancé. Il a avancé. Attention. Et vous parlez de ça, on a gagné toute qualité de bagaille net, ou toute qualité de disque. Et puis, y a fait coopération sérieux, gagnant-gagnant, pour nous capables de sortir payer dans cette ville-là. Guy Philippe fait passage ça, dans Nord-Est pays. Tout média dominicain dit que, autour ça, représenter une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. C'est même bagaille là pour docteur Claude Joseph. Il te dit que Claude Joseph représentait une véritable menace pour la Dominicanie parce que monsieur c'est un futur président d'Haïti et si monsieur arrive président dans le pays d'Haïti, monsieur dit monsieur son futur candidat qui capable président en Haïti oui. Et là toute média de cette il fait tweet là même. Me rappelle tout ça soit me voyer par docteur Claude Joseph. Elle fait débat dans toute média dominicain. Me te voyer par PM Claude Joseph. Joseph Gadel, il est content, il me dit, monsieur, continue à peser maintenant. Continue à peser parce que dimension quoi prend, c'est dimension ça nous besoin. On nous challenge à Dominicani, c'est pas Raïl après Raïl. On nous challenge parce que il y a tellement de efforts qu'il a fait,
Il y a tellement envie de pays avancer, en nous challenge nous-mêmes pour nous faire une politique éclairée là, nous, intégration de la diaspora haïtienne dans sa fait politique paysan, intégration de la jeunesse haïtienne dans sa fait politique paysan, et puis automatiquement nous allons avoir de nouvelles têtes qui viennent faire politique et puis nous changer pays. Malheureusement, plus gros indignation, plus gros regret dans la vie, c'est où Claude Joseph rentrer dans le couloir politique, criminel assassin, gang sale politique depuis 30 ans, il va faire même politique avec eux. Plus gros regret. Et comme si Nadou, je me suis perdu toute confiance moi. Que me te mettre dans monsieur, ça pas un problème en pile. Parce que monsieur trop jeune garçon pour se parler là-bas vote moi Jean-Charles. On pourriture politique. On gangster politique, on rafette politique, on sans vision politique. Ou là-bas vote moi Jean-Charles. Come on. Pas sérieux mettre là. Honnêtement. Pas sérieux. Et nous avançons. Yote Claude Joseph comme une véritable menace. Yote Winwe, Guy Philippe comme une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Maintenant, yote PM Gary Koni comme une véritable menace pour la Dominicanie. Qui ça qu'a fait PM Koni une véritable menace? Nous pral wè ça ensemble avec dans cadre d'émission. Ça fait Gary Koni capable une véritable menace pour intérêt la Dominicanie. Nous pral comprendre ni et pral ba nou ça que me gagne comme information. N'a prend et quelques secondes, n'a tourner dans quelques secondes. Et partagez pour nous, quitte au commentaire et dis nous qui ça qui cause ou pensez que capable wè Gary Koni comme une véritable menace. Et puis, je comprends la vérité, et je viens de dire que je suis dans tout ce qui est pour passer, tout ce qui vient de passer, c'est sous responsabilité de l'ambassade américaine, à tout le monde qui est tout haïtien qui a mouru chaque jour, c'est sous responsabilité, il a mouru. Peuple haïtien, je viens de dire merci. De ça, je vous beaucoup de chapeau pour nous. Je recommande nous accompagner le peuple tout le temps dans la bataille, la bataille de dignité. Et je dis merci. Non, non, peuple haïtien, et non, non, pas. Merci en pile. Moi connais. On nous fait police nationale nous en confiance. On nous fait l'armée d'Haïti en confiance. On nous fait des sacs nous en confiance. Pour nous joindre à Haïti que nous besoin. Comment nous comprendre que l'ambassade américaine dit il va appeler l'armée d'Haïti travaille pour pays. Pendant ce temps, il y a les 300 soldats et Kenya pour une bonne sécurité. Ça veut dire. Ça veut dire. Pour ça n'a payé l'exil. Pour ça n'a payé l'armée ça. L'armée ça sali sur l'eau. Pendant qu'on parle de l'armée à sécuriser le peuple là, c'est l'armée qui a sécurisé Ariel. Pendant qu'on parle de l'armée à faire travail, protéger le peuple là, c'est l'armée qui a fait défiler, danser à Ariel sous champ de masse. C'est l'armée ça y est. Ou bien on prend responsabilité. Voilà, nous tournons. Et merci en pile, commandant Guy Philippe. De prendre le clavier. Et on va avancer. Nous prenons une droite. Dans la raison qui cause, yo wè Dr. Koni comme une véritable menace pour la Dominicanie. Nous prenons là dans tout droit. Et c'est très intéressant pour que nous allions là dans tout droit. OK? Très intéressant pour nous aller là dans tout droit. Et qui ça qui cause Gary Koni capable une véritable menace pour intérêt et la Dominicanie en Haïti. La frontière range moi. Et voilà, je pense que je moque là. Si je moque, je n'avais pas dit que je moque. Et voilà. Quand on a ouvert le bouchon trop large, jeune gens. Le bouchon trop large, je vais manger. On est bordé, oui. On est bordé, oui. On met tout en flaneur. On met tout en flaneur sur l'écran. On est shell boy. On met tout en flaneur. D'après nous-mêmes, qui raison qui cause, il est peut-être capable et Dr. Koni comme une menace pour les intérêts de la République dominicaine en Haïti. Qui ça qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Et c'est ça la question.
qui ça qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Voilà. Et c'est exactement la question. Peuple haïtien, on a le fond exercice ensemble avec peut-être un pile nèg avec femme qui dans qui gen micro dans la coupe d'Haïti depuis 30 l'année pas jamais courage pour faire. Docteur Gary Conny. Monsieur c'est petit yon du Valéris. Papa monsieur son homme qui te gen caractère. C'est un patriote son ex strict. C'est ton patriote. Deux. Gary Conny fait à Port-au-Prince. Monsieur fait études à l'étranger. Monsieur travaille pour de gros instances internationales. Exemple, Nations Unies. C'est un gros palto en dedans Nations Unies. Abinadel, c'est pour ébaye que le peur. La carte Dr. Conny. Relation Dr. Gary Conny. Au niveau Nations Unies, Abinadel pas gagné. Et Abinadel pas jamais gagné dimension ça. Compétence et capacité Dr. Conny, Abinadel pas gagné. Abinadel c'est juste un businessman qui va faire politique en Dominicani. Mais qui est extrêmement intelligent, qui est éclairé, mais qui fait politique en faveur peuple. Dominique, ouais, Abinadel. Alors, ouais, pardon, Dr. Conny. Par rapport avec influence, monsieur, dans la communauté internationale, là, relation, monsieur, si que monsieur t'avait décidé pour faire des bagarres en Haïti, non seulement pour monsieur bataille, pour le gourmet, pour le mettre et sécurité, mettre stabilité en Haïti, il aurait découvert un, que un couloir ZAM cap sorti volontairement l'autre frontière pour aller déstabiliser le pays d'Haïti, pour aller armer de jeunes garçons en Haïti pour que soient capables de déstabiliser le pays. Docteur Conny, automatiquement, il contrôle ça. Et en plus de ça, pas oublier, Nations Unies récemment est sorti un rapport côté que, il a dit clairement, il y a un pile d'âmes qui sortent aux États-Unis, les âmes sont rentrés en Dominicanie, de la Dominicanie, ils sont rentrés par voie terrestre en Haïti. Ça veut dire qui ça? Gon base, cap commande des âmes États-Unis, cap rentrer en Dominicanie, et cap fait rentrer de manière stratégique par voie terrestre en Haïti. Aïe, aïe, aïe. Tout ça au passé, en bas yeux, Docteur Conny, il connaît yo. Yo peur, c'est pour. Attendez, considérez ce que ça fait. Yo peur pour que Gary Conny pas soulever dossier ça yo. Et si Gary Conny voulait, il a coincé la Dominicanie pour que on cartouche pas rentrer en Haïti encore. Là, depuis cartouche pas sorti, États-Unis pour l'entrer en Haïti pour tout droit, il pas sorti en Dominicanie encore, mais quelque part il a capable contrôler zam qui n'amène Haïti et cartouche cap utiliser dans pays d'Haïti. Yo fait vetting. On vetting dans la police là. Passer les policiers dans la passoire, voir les policiers voler, aller foutre un barcode et mettre mon bien et puis contrôler la police là, pour que la police parle de bandits, parle de bandits balles. Le Sénat capable de mettre sécurité dans le pays. Contrôler ces âmes dans le pays. Désarmer les gars avec les âmes. Rentrer toutes les âmes qui sont dans le pays et puis armer les gens légalement. Tout le monde capable de faire des âmes, oui. Il y a possibilité pour tout le monde de faire des âmes, mais légalement. On a des bons âmes. Les fonds actes, c'est même avec les États-Unis, la peine de mort. La peine de mort. OK? Peut-être nous, on parle pour tout le monde pour des âmes Haïti. Mais honnêtement, j'en paye un gang sérisé ya, et gang ap tout le monde, si que tout Haïti de gezam, monsieur que volume kidnapping n'est pas dans le niveau ça, peut-être on est capable de tout un homme, mais avec ils ont envie de lever un homme pour aller avec, et avec facilité ou bien ou assassiner lâchement, il n'y a pas de café d'Haïti. On a pas de assassiner mon vieux doit aller avec facilité, bla bla. Non, on a pris temps pour faire. Qui ça qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Intérêt la Dominicanie en Nouvelle, à nous chercher à comprendre. Haïti commence à rentrer dans une instabilité généralisée. Vraiment, instabilité généralisée. C'est ce secteur politique là qui fouille là-dedans. Et sous l'ordre, l'oligarchie pour y sentir qui n'a pas trouvé le président pays. On nous comprend ça avec. Un, yo pe koni, parce que koni gagne yon connexion internationale qui yon connaît. Yo pense que si koni ta gen volonté pour le fond bagay en Haïti, ça pral déranger la Dominicanie complètement et ça pral mette en jeu
budget que la Dominicanie, enveloppe budgétaire que la Dominicanie te gagné, que le compte l'a joué en Haïti. Enveloppe budgétaire. Parce que, yon budgétisé ça, j'en en Haïti, yon pas mettre officiellement, pour Haïti capable de connaître que yon trop valeur, mais quand c'était comme que Dominique a prêté sous doyo, yon pas, mais yon rentré dans Katimini, il est là. Yon compte quand c'était comme que yon a rentré. Et même plus que ça, yon t'a pensé même des fois. Tellement yon gémaché dans mes yon, tellement yon fait ça, yon voulait. Pour Balan, yon clair sous ça, yon sûr que Gary Koni son équipe à la bataille pour que Haïti capable de gagner stabilité. Pour que touristes capables de rentrer dans le pays. Dominique pense ça en pile. Il réfléchit sur ça. On allait sur le plan touristique. Ça, c'est pour le côté que nous allons. Haïti, ça qui fait nous pas de touristes encore, c'est le phénomène gang, insécurité généralisée, l'instabilité. Et en tant que politique, pas jouer, comme si gang politique cap bataille. Assassinat président. Vieille image pour le pays. À nous sortir 2019. À nous dire que 2019, Haïti commence à rentrer dans une instabilité généralisée. Touristes commencent à visiter le pays. En quantité encore. Mais touristes Haïti ont été obligés de commencer à rentrer en Dominicane. À 90%. À nous dire que nous avons recevoir dans le pays, par exemple, 3 millions de touristes. Et pour, on nous dit nous après recevoir 3 millions de touristes en 2019. Par exemple. Eh bien, 3 millions de touristes, pour Pipiti, la Dominicanie prend 2,7 millions là-dedans. On nous met 2,5 millions là-dedans. Dominicanie, ça veut dire que la Dominicanie, pour Pipiti, en 2019, on nous mettait que la Dominicanie rentrait 10 millions de touristes la Kaeli. D'accord? On nous mettait que il rentrait 10 millions de touristes la Kaeli. Et nous parlons sous chiffre. Si que la Dominicanie en 2023, il y a 30 millions de touristes qui rentrent la Kaeli, il collectait 11 milliards de dollars américains dans le ministère et tourisme. Et ça que bilanté, année 2023, 31 décembre, et dans Punta Cana, président Luis Abinadel, bail enveloppe qui rentrait dans le ministère du tourisme, dans les affaires touristiques. Il dit que yo recevoir 30 millions de touristes. Et l'argent que yo collecté dans le secteur touristique, là, c'est 11 milliards de dollars américains. D'accord? On avance, mes amis. Si yo rentre, vous faites 30 millions de touristes en 2023. En nous mettez 2022, vous avez fait 20 millions. En nous mettez 2021, vous avez fait 15 millions. En nous mettez 2020, vous avez fait 13 millions. En nous mettez 2019, vous avez fait 10 millions. Sauti. Pour arriver 2024, pour Pipiti, la Dominicanie collecte plus passé 20 milliards de dollars américains dans le secteur touristique là seulement. Qui ça qui intéresse la Dominicanie en Haïti? Vous pensez que le docteur Koni est capable de mettre ça en question? Et monsieur Koni que c'est l'agence qui est capable de rentrer pour développer le pays. N'a pas comment ça veut dire. Dominicani, prétendez bien oui, presque 60% l'argent de la Dominicani a prendre dans le secteur touristique. Ou bien 40%. Il prend tout touriste nous. Il a prêté des milliards sous le dos de nous. Et puis, il a décidé de se pour vendre nous. Toute qualité de produit qui n'est pas bon, qui n'est pas bon pour nous manger, c'est nous qui avons vendu. Il a vendu nos produits pour plus passer 3 milliards de dollars américains chaque année. Nous avons Haïtiens qui entrent en Dominicanie, qui a fait mes cailles, qui a fait mes cailles pour 1 milliard de dollars américains. Pour 1 billion de dollars américains. On va comment ça veut dire. Haïtiens qui a fait mes cailles pour payer courant, électricité, payer cailles chaque mois. Et qui a fait maquette. Chaque 8 jours.
n'a pas comprendre ça, ça veut dire. Intérêt la Dominicanie en Haïti. Qui ça qui intérêt la Dominicanie en Haïti? Docteur Koni, non pas M. Beto. Nous pas venir bêtiser avec personne. Mais nous venons chercher la vérité. Nous venons questionner, on se le bagaille, parce que nous besoin Haïti sorti dans sa quelle nouvelle là. Ou se yon, on fait qui dans la diaspora? Bien que yon dit que des gens qui viennent avant. Mais m'a dit que, moi bien content ou venir après 12 ans, parce que ça lui montre clairement, Portland tout ouvre définitivement Jean-Jovenel Moïse pour ville pour diaspora essayer de rentrer dans affaire politique pays. Nous devons mettre ça légalement à travers référendum constitutionnel pour que diaspora essayer capable voter à travers constitution. Gary Koni ou devant fait accompli. Ou devant fait accompli. Ben nous prenons un petit loin, pour nous inspirer. Nous faut tirer les Koni tout. Bah, yo avec partenaire, yo dit, ah, m'ba wè la santé là, m'ba wè l'éducation là, formé-t-il dans le programme pour me supporter. Fois ça, ça paye quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple, l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout, l'agenda. Tendez bien, oui. C'est donc pas là qui est fort dans 10 prochaines années, pour Haïti, pour tout Haïti, t'as accès avec Internet. Et c'est ça la Dominicanie fait. Dominicani rassure que tout Dominique a accès avec Internet. Gare qu'on était dit ça, c'était en 2012, oui. 2012, oui. Et 12 ans après nous, là, oui. Il a fait une interview ça à Bruxelles, oui. Bien loin, oui. Hein, monsieur Vin Lakounia, avec le docteur Koni, je vais aller ça pour vous, bataille pour que tout Haïtien ait accès avec Internet pour nous. Pour tout Haïtien ait accès avec Internet, Koni, nous ne pouvons faire sans courant. Nous avons une vieille centrale dans la commune Kafoula que l'État haïtien construit pour tout neuf. On a allumé centrale là pour nous dans la commune Kafou, docteur Koni. C'est clair. On a allumé centrale là pour nous, docteur Koni. On a allumé centrale là pour nous. OK? Centrale électrique dans la commune Kafoula, on a allumé pour nous. On a l'humel pour nous. OK? On a l'humel pour nous. Docteur Koni. On a l'humel centrale électrique là pour nous. Et c'est très intéressant. Pour allumer centrale électrique là. OK. C'est très intéressant pour allumer centrale électrique là. Pour qu'il capable jeune courant 24 heures. Sur 24. OK? Pour nous capables de joindre courant 24 sur 24, ou avoir plus de facilité le ça pour jeunes nous capables de joindre Internet là. Les gens Internet là pour nous capables d'utiliser les. Docteur Koni, c'est très intéressant pour nous. OK? OK? C'est très intéressant pour nous. Intérêt la Dominicanie en Haïti et menace que ouais docteur Koni représente pour les intérêts de la République dominicaine. Un haïtien pour bagalam dit non c'est secteur touristique là. C'est un secteur que Dominicanie pas négocier même. Moi même nous obligé pas faire une politique bataille avec eux, mais n'a faut politique éclairée pour que nous même nous jeune parti pas nous dans secteur touristique pas nous. Parce que si on prend tout secteur touristique là, de fait nous obligé pour la bataille là, c'est un gros bout de ton bataille que nous prallier pour nous capable
rassurer et touristes et bagay pour capable rentrer dans pays d'Haïti. Ça cause moi dit nèg, on nous éviter attaquer White Clef parce que n'a besoin White Clef dans ça. N'a besoin monsieur. N'a besoin monsieur et monsieur capable. On garantit monsieur capable. Depuis nous pas monsieur possibilité stabilité parce que monsieur qu'on grain bagay que le besoin. White Clef juste besoin un gouvernement qui stable pour que l'état capable garantir tout étranger qui va rentrer dans le pays. Si y a fonds investissement, investissement garanti, faut que nous gagne stabilité pour ça fait. Faut gagne garantie absolue. Et c'est ça que tout le monde gagne leur arrivée en Dominicanie. Il y a une garantie que l'investissement n'est pas capable de gaspiller. C'est à cause d'un haïtien qui gagne un passeport américain. Il y a une garantie d'investir en Dominicanie. Il y a une garantie d'acheter un caille pour le mettre dans Airbnb en Dominicanie. Il y a une garantie. Peut-être même qu'il y a un passeport haïtien. Alors non, parce que vous vraiment comprenez la politique dominicanie face avec nous-mêmes haïtiens. Peut-être nous capable de dire prudent. Mais bien que, chargé haïtien qui a un bout de papier dominicain qui est caille pas en Dominicani. Caille pas yon rentre, tout le monde connaissait pour yon lié. Yon paye pour tout le bagage là-dedans, yon paye tout le bagage là-dedans. Yon juste paye le Dominique qui connaissait, oui. Dominique qui connaissait, sous 100% haïtien qui sous territoire, c'est peut-être 5% ou bien 8% qui est document légal. Attendez bien, oui. Si on prend ce pourcentage, sous 100% haïtien qui est en Dominicani, peut-être 8% qui a un document légal en Dominicani. Mais après ça, l'autre 92%, c'est complètement illégal. Illégal. Et chaque jour, tout va monter. Et si la page a fait mes cailles, vous avez acheté la terre, vous avez construit la caille, pas en Dominicani. Vous voulez nous comprendre ça? Et pas oublier, si nous avons une stabilité dans le pays d'Haïti, tout ça, c'est dans le pays nous avons fait, oui. C'est dans le propre pays, non? Dans le propre pays, nous avons fait tout ça. Vous voulez nous comprendre ça? Dans le propre pays, non? Dans le pays, nous avons fait tout ça net. C'est-à-dire que nous n'avons pas de question de faire la caille voisine. C'est dans le pays, nous avons fait tout ça. La caille, non? C'est la caille, nous avons fait. Il n'y a pas de problème pour nous. Nous avons bénéficié de tout ça net ou qu'on est. OK? Et. M'a dit que. M'a dit nous que naturellement Dominicani plus gros menace li plus gros et raison qui cause li prudent li peur pour que yon dirigeant haïtien un haïtien éclairé yon haïtien conséquent yon haïtien qui respecte tête li yon haïtien qui aime Haïti li peur pour que naturellement Haïti sa pa vin dirige Haïti. Parce que depuis Haïti sa vin dirige Haïti, li peut être capable et mettre stabilité, ap capable gagner et la pensée pour secteur touristique là, la pensée pour agriculture là, la pensée pour que nous capable remettre éducation en sous pied parce que docteur Koni prend en charge Ministère de l'Éducation nationale. Je dis bravo. Ah oui, monsieur prend en charge ministère éducation nationale et de la formation professionnelle. Éducation, ministère de l'Éducation nationale. Ah, papa. Je dis bravo avec docteur Koni qui estimait que eh ben, ministère de l'Éducation pas qu'à nommer n'importe monde, mais des hommes politiques. Et c'est très intéressant pour que nous ne pas quitter c'est des politiciens qui mettent le monde dans l'éducation nationale. Et m'a dit docteur Koni, nous gagnons $50 là. N'a quitté diaspora haïtienne n'a continuer bailler pendant tant qu'on fait comme premier ministre là. N'a quitté diaspora haïtienne commencer continuer bailler. Mais faut moi non. Faut qu'on mette un contrôle sur l'argent qui était gaspillé déjà. Et c'est là sur l'argent qui va rentrer. Et l'argent ça yo doit aller directement pour l'éducation. Pour l'éducation. Docteur Garigoni. C'est très très intéressant. Très intéressant pour que nous capables. Parce que nous besoin sauver le pays, messieurs, dames. Par exemple, Jean président Jovenel Moïse te dit, pas de sacrifice qui est trop grand pour Haïti, pour sauver Haïti. Et c'est une bagarre qui fait que moi, mais Guy Philippe, honnêtement, Guy Philippe, tout le prêt pour le parler avec quel que soit Haïtien. Monsieur, tout, ils ouvrent les relais, les mettre les l'île. Si la pluie veut les mettre les l'île, la mensonge veut les mettre les l'île, André Michel veut les mettre les l'île, Nel Kassi veut les mettre les l'île, ils ouvrent les mettre les l'île, même Jean Moun dans la communauté internationale, capable de les mettre les l'île. La prend appel tout le monde, et c'est ça qui est un leader.
Et ça n'a pas peur la cage Guy Philippe parce que yo Guy Philippe pas fait personne mon ennemi. Monsieur capable avec tout le monde, mais quand il s'agit de affaires pays d'Haïti, il pas négocier. Pardon, yo même c'est comme une véritable menace. Et maintenant ça docteur qu'on est décidé pour le premier ministre de l'éducation nationale que me dit bravo. Et cela m'a demandé toute ravette politique et la tête militant mettre compte de côté. Depuis nous tenter prendre la rouille, c'est pour nous prendre nous foutre nous côté ou machine pas frapper nous. Pardon, c'est pas gagné pour craser. À nous propre bord au prince. Nous fait toute vie n'a craser bord au prince. Jodi à Liverpool pour combat la lancer pour opération yon pelle, yon bourette, yon balai pour nous propre bord au prince. Pour nous propre cabaïsien, pour nous propre pays ya. Il faut que rembler politique suspend dans craser brisé ya. Et très intéressant pour nous. Faut que nous fassions parce que Haïti pas ka descendre plus bas que ça. Nous pas capable quitter pays à descendre plus bas que ça. Et après le ministère de l'éducation nationale, docteur Kony décide pour qu'il gagne le ministère de la justice. Mais pas besoin, mon capitaine dit c'est blanc, moi pas blanc ou même m'a pété responsabilité sous dos. Moi pas blanc, c'est où me connaît, c'est où moi, c'est où qui là, c'est haïtien, mais c'est où même qui gagne change là. Elle en a metté c'est blanc. N'importe quoi qui vient d'où aller ou qui couille quoi par en boca dit c'est blanc tout, il pas blanc pour moi. La prêté ou même. Parce que c'est où cap signé, c'est où qui chef là. Et ils rentrent dans le jeu de coquin, d'où qu'on sait que péton coquin dans le jeu de coquin pour capable faire jeu de coquin tout dans le faveur peuple là. Ou qu'a fait. Il y a une bonne possibilité pour faire, n'a pas supporté ou souffert. Et docteur qu'on a décidé pour quelqu'un le ministère de la justice. Bravo. Ministère de la justice et de la sécurité publique. Ministère ça a gagné, on l'agent dans le service d'intelligence li. Et vous faites connaître que c'est Madame Emily Prophète Milse, avec Ariel Henry, Matelik Tap Gagoté Kotsa. Combien vous oubliez? 15 millions de goudes chaque mois. Monsieur dame, quand est-ce que vous pays? Madame n'a pas répété où territoire perdu, territoire gaspillé, territoire fait cadeau, territoire m'a pas passé, m'a pas passé en l'aime, m'a pas passé ceci, m'a pas passé. Oh! Non, mon cher, c'est pas sérieux ça, mon cher. 15 millions de goudes chaque mois. Que Emily Prophète Milse gagne l'amel chaque mois pendant que madame nan t'a répété nous dit nous que oui Matissan c'est des territoires perdus tel côté c'est des territoires perdus et madame nan gagne 15 millions de goudes pour service de renseignement payé police qui une information dans domaine ça yo et puis bail l'argent et à terre tout pour une botte silence information pour gagne contrôle sur les bagages. L'agence a yo, c'est dans poche vagabond volé l'ali. Tande ou pays ya? Ministère de l'Intérieur, li genye 15 millions de goudes pour service d'intelligence. Plus li genye ou caisse nou à la dedans, on l'agence en contrôle. Même Jean-Paul National genye. Et ministère, genye l'autre encore, oui. Genye plus de l'autre ministère qui genye l'agence a, oui. Genye pour sécurité publique. Mbikol gon budget 15 millions de gouttes tout pour renseignement. Aide un pays pour renseignement, oui. Mais n'a pas de renseignement tout. Et bon, comme c'est Haïti, tu n'as pas de renseignement. Tu ne vas pas parler à faire de 15 millions de gouttes tout, non? Pas de l'argent, non? Pas de l'argent, non? Non, pas de l'argent même. Parce que l'on parle de renseignement et service d'intelligence, c'est pas qui coûte en pile l'argent. Et en pile l'argent. OK? Parce que y a des mouns. Pour infiltrer un espace, ou avantage que moun nan gagne nan babé moustache nan espace ça, pour moun accepter de traverser ma voie, pour li trahir l'équipe, pour le bon information, que ou a besoin pendant un an, ou bien pendant deux ans, jusqu'à ce que ou abouti avec une opération pour démanteler une équipe, faut moun sa rassurer que économiquement, li chita même pendant 30 ans, l'ap gen l'argent pour sécuriser tête li pap nan gangou, l'ap nan misère, faut moun sa capable gérer tête li, parce que information, ça pas fait cadeau. Il va faire cadeau information pas gratis. Dans tous les pays du monde, information pas gratis. Et c'est dans ça, États-Unis, quoi, que vous allez rester dans le niveau l'IVA. Ils restent en pile l'argent dans ça, et ils ont importance avec, importance capital, total capital avec ça. Oui? Ils ont importance total capital avec le domaine ça. En pile l'argent, investi, pour que, en pile l'argent, investi. Ok? C'est ça, en pile l'argent investi. Dans le domaine ça. En pile cob investi. Pour dans le domaine, capable de dire non, et renseignement.
service d'intelligence. Et Jovenel Moïse t'a le mettre en Haïti. Malheureusement nous pas n'a pas qui t'a quitté président réaliser ça, il a assassiné qui t'a pral c'était Agence nationale d'intelligence ANI Agence nationale d'intelligence Jovenel Moïse t'a ça Jovenel t'a conseillé bah il t'a mettre dans pays ça. Nous t'a passé monsieur, seul ça monsieur pas de faire. C'est ça comment Guy Philippe pas dire et te dire. Sécurité ou. Donc quand on y prend ministère éducation nationale, pour moi même qui normal, il pas plagué les politiciens ravet. L'IKB ministère de la justice, bravo. L'IKB ministère économie et des finances, bravo. Et puis l'IKB ministère planification, bravo. L'IKB ministère de l'intérieur, bravo. Du ministère, trois ministères clés, mais c'est environ 5 ou 6 ministères qui non négociables. Politiciens ou pas capable faire gros bruit. C'est la belle là. Politiciens ou pas capable faire gros bruit. OK, il va faire gros bruit, pas capable faire trop. Et c'est le bail être chargé. Il va faire gros bruit, il pas capable ouvrir quoi trop. Et pas la compliqué pour yo. Moi André Michel qui essayer faire gari conisier dou. André Michel a écrit ti lettre d'amour. Oui, monsieur dame politique yo et facilité gari koni monter gouvernement pour compte li pour le cas André Michel en perte de force. Li besoin un petit espace pour lui remettre col encore. Li gen moun li mettre dans diplomatie peur pour que yo pas révoquer yo. André Michel besoin positionnel chercher koni. André Michel qui t'a vle reconni. André Michel oui. André Michel t'a vle reconni. Mboko jom saisi comme ça. André Michel t'a vle wè Gary Koni. André Dieu pardon mon cher. André Michel t'a jam vle wè Gary Koni. Même dans rêve non. André Michel va t'a ka wè Koni. André Michel vle wè Gary Koni. Ou fou. André Michel t'a vle wè Gary Koni. Même dans rêve non. André Michel t'a vle wè Gary Koni. Ah mon cher. Et mais qui est-ce qui a fait Gary Koni Zedou là? C'est André Michel. C'est André Michel, c'est ça que m'a dit. Et ça son pays tête chargé. Son pays tête chargé, oui. Pas pas ta comprendre. Là qui si tout penser c'est waio et voler, fait tout qualité Zak malhonnête, tu penser piaille. OK? Et c'est le pays tête chargé. Owen. OK? Eh bien, naturellement, Gary Koni, monsieur prend dimension, monsieur prend poids politique parce que gagne, ça nous capable de classe politique là, ça a détruit net. Pour peuple là, ça n'est pas important du tout. Pour peuple là, ça n'est pas important du tout. Qu'est-ce que la classe politique là? Pour peuple, ça n'est pas important du tout. Pour nous gagner, pour nous parler de yo, pour nous gagner respect, ça va exister. Pour peuple, ça va exister. OK? Pour peuple, ça va exister. Question de la classe politique. Et ça cause, ouais, tout le monde a parlé de Gary Koni. Parce qu'il n'y a pas de respect pour avec politique yo. Et docteur Koni doit prendre ça en considération tout. Connaît que le monde, ça n'est pas important pour peuple. Et tout profite de faire ça l'affaire. Pour que lui-même, les gens ont une classe respect. Beaucoup de population. OK? Parce que ça très intéressant. Nous pas besoin de ravet ça encore. Il faut que nous campions pour une bataille, pour une goumé, pour nous défendre ça du bec et des ongles. OK? Et moun n'a regardé sur écran, encore une fois pour moun qui te gagné peut-être 12 ans, le Gary Koni était démissionné comme premier ministre en 2012 qui kounia gagne 24 ans et qui pas connaît Koni, eh ben Koni, c'est Koni qu'on regarde là. Mais ses visages et 12 ans de cela oui, il a oui, moi Gary Koni vieilli net oui. Elle a l'autre travail avec blanc ou tu j'en viens vieille facile, pas comprendre ça non. Elle la game dans pays papa. Pas comprendre l'autre travail avec blanc moi ou tu j'en vieille facile, pas comprendre ça qui passé. Et I don't know man. Notre travail avec blanc moi gon Jean ou vieilli rapide. Comme si vous face ou bail la bas rapide. Ouais. Face ou bail la bas rapide, comment on est sacté sous trop, on dit travail ou faut travailler trop,
pas connait moi-même. Pas si c'est trop stress et pas connait moi-même. Vous pas connait mais m'a dit non que et le gars connait mon cher, c'est vieille net. 58 ans, mais c'est pas supposé grand monde comme ça. 58 ans, on va supposer et à terre plate comme ça comme si vieille au niveau pareil. 58 ans. Bah ouais non. Bah ouais comme ça. Bah pour que gars reconnait te ka vieilli comme ça. Bon, pas connait. Mais il vient en Haïti là, me garantie. T'as l'autre de là ne cap jeune passer la bagain parce qu'Ariel te vieille net. Ariel là qui prend pays ça papa. Comme on voit la diriger, mais qui vient plus jeune qui Ariel là, mon cher. Et il a oui protéger nos plus jeune qui Ariel dans pays là. Mais quand il y a là Ariel a fini là, côté lié dans état bien quoi. Côté le Philadelphia. Philadelphia pas connait côté lié l'autre bois. Dans zone dans state ça côté gain Freddy ça. Déjà me t'entend il pas à l'aise, il pas à l'aise tout. Ça son exil planifié. Ça son exil planifié. Soit au danger tout oui. Pour une autorité qui prend dehors qui sorti dehors mais que c'est dans contexte ça mais on connaît que pas ka font un président qui élu démocratiquement ça et s'il t'a fait tout le tap grave en pile et tap grave en pile pas qu'être capable kembe une autorité qui élu démocratiquement ça et comme Ariel c'était un président tweet un président Twitter ou bien ex et ça arrivait arrivé Jean Rivière. Mais Ariel Allé, nous faisons l'effort pour que nous changions de domaine, changer ça le plus vite possible. Nous avons essayé de faire une situation difficile là, malgré tout effort qu'il fait. Ok? Malgré tout effort qu'il fait. Et il décide pour faire une situation ça. Voilà. Et pour intervention, commandant chef révolution, commandant Guy Philippe, et TFA, en pile monde. Pas de bravo pour intervention commandant Guy Philippe là. M'a fait un petit remettre encore sous dans l'émission pour nous tendre li. Et puis n'a tourné ensemble avec Pascal depuis dans la cour pays d'Haïti. Nous prend le temps de li. Par la suite n'a gagné Pascal depuis en Haïti. Commandant Guy Philippe et te fait intervention ça l'amico un jeune média et en Haïti. C'est très intéressant. Nous capables quitter commandant Guy Philippe sous écran pour nous capables organiser nous et fort en déclaration commandant Guy Philippe là ou du moins nous capables mettre ça pour vous. En attendant nous parce que commandant Guy Philippe dit nous clairement s'il était là entre 2017 s'il était là président Jovenel Moïse pas tape assassiné qui a environ 12 millions de monde. OK. Il dit nous président Jovenel Moïse pas tape assassiné. Mais vinn parler avec nous. Mais président. Et moi mettre version ça pour nous. Président Jovenel Moïse entre 2017, je dirais entre 2015. Moi mettre déclaration ça pour nous. Que me trouver qui extrêmement important pour que nous partager ensemble avec vous. Une intervention tête chargée que le président Jovenel Moïse a fait, quand elle t'a parlé ensemble avec les politiciens avec eux, eh bien, suite avec déclaration, ça n'est pas le boulet pays à plus, craser pays à plus, fait plus d'actes malhonnêtes, ok, à de pays à, et qui t'a mené assassinat président pays à, qui c'est président Jovenel Moïse. Et côté lui très intéressant hein? C'est un lui comme ça lui côté là voilà. Même j'ai avec route meni président Jovenel Moïse n'a pas un petit coup de pause et pour un petit castan pendant qu'il attendait intervention ça et puis m'a tourné dans quelques secondes président Jovenel Moïse Saint-Jean du Sud pour aller à Bakou route moun k'ap viv do mon yo. Tout route ça était dans programme non mais pays loc du fait vélo ca élevé le point du fond jour m'a konn coup du fait jouti équipement yo nous t'obligé dans veiller équipement boulé dans 160 millions équipement dollars équipement acheté
y a environ 8 millions de dollars d'équipement qui boule. Qui boule parce que y a des gens qui yon ap gou maklot. Moi-même, mais dis nous, ça, chaque monde qui est en politique dans le pays, surtout frère Maxime qui est en opposition, Roche là, vous avez tout même pas prendre. Quand Roche m'a levé Roche, je vais quitter la terre. Je vais là pour me voir Roche sous. Je vais jamais faire ça. Parce que je connais que cette mafia criminelle d'État qui montait dans le pays ça pour monter nous yon contre l'autre, qui va nous tuer des salines dans la mafia ça aujourd'hui, moi-même m'en face. Et m'en dois même de vous venir en face. Parce que c'est lui-même qui a pêché le pays à gagner courant. C'est lui qui a pêché le route. C'est lui-même qui a pêché le bloc pour le monde. C'est lui qui a pêché le l'école construite dans toute section communale du pays. C'est lui qui a pêché le contre centre de santé, l'hôpital construit à travers tout le pays. C'est lui qui a pêché le rebrasement fait dans le monde. 77% du pays, c'est le monde. Et pourtant, nous avons débrasé. Nous ne pouvons pas réfléchir, même Jean Jodia, nous-mêmes nous faisons. Nous construisons 500 germoplastes dans le pays. Il y a 4 qui inaugurent déjà. Nous prenons nouvelle ministre. Environnement dit moi, 100 germoplastes dans Noir Paris pour inaugurer chaque centre ça qui doit produire 4 500 000 pieds bois chaque année. Ça veut dire l'on prend 5, on multiplie par 4,5 millions, il y a 22 500 000 pieds bois qui a produit pour planter dans le monde. Et moi, je crois qu'on décret qui prend pour que l'obligation faite à tout le monde qui parle de l'école pour obliger à planter pieds bois. Ça, c'est ce qu'on fait. Nous-mêmes qui sommes en politique aujourd'hui, nous connaissons en pile dans nous. Nous peut-être parfois gagner des positions qui radicales. Mais m'a dit nos positions radicales pour mien, c'est position peuple. Je dis, est-ce que ça, ce n'est pas au même peuple a besoin? Est-ce que vous n'avez pas besoin de méga pépinière? Même je ça construit dans ma front, dans Campéré, dans Fond des Nègres, dans Aubert, dans Port de Paix, dans Grand Pré, dans Nord. Est-ce que ce n'est pas ça que peuple a besoin? Même j'en route à construit pour sortir ça. Pour sortir Kafou Joff pour aller dans sa foule, est-ce que c'est pas ça peuple a besoin? Même j'ai mon chien aujourd'hui a craser moun bedehen qui était contre mourir dans mon ça aujourd'hui a mon chien li commencer méconnaissable dans bon sens là. Ça veut dire mon chien béton a couler sur lui pour connecter la commune de bedehen à la commune de Bombadopolis. Projet que nous y a pour nous connecter les 4 communes du bas nord-ouest. Je voulais parler de bedehen Bombadopolis, Mol Saint-Nicolas et Jean-Abel. Route 4 construit Kounia. Pour nous connecter commune Jean-Abel avec commune Mont-Saint-Nicolas en passant par bord de mer de Jean-Abel. Est-ce que ce n'est pas ça peuple a besoin? Centrale électrique que nous allons installer dans Saint-Raphaël. Renforcement centrale électrique dans Chevry, dans Fort Liberté, qui pourra le faire, Jean de Dille, dans le premier trimestre année ça. Renforcement centrale électrique dans Jacmel qui commençait là. Je crois que d'ici week-end ça, ou bien week-end prochain, Jacmel a passé à 24 heures sur 24. Je voulais parler de commune Jacmel, Kaj Jacmel et Marigo. Ça yo! Bali, Bolova! Est-ce que c'est pas le même pays a besoin? Mon Jérémy, qui te connaît à faire lumière trois fois par année. Les fêtes décembre, les fêtes patronales, je voulais parler de fête Saint-Louis avec les gros chefs qui viennent Jérémy. Je dis à Jérémy qui a 18 heures dans le courant par jour. Jérémy pour aller passer à 24 sur 24 parce que mes nouvelles transformateurs arrivent. Ville Kay, jodi a, nous avons pris une décision en décembre 2019, nous avons porté 5.4 MW au Kay, nous allons augmenter, nous allons mettre près de 8 MW je crois, au Kay pour nous passer au Kay. Maniche, Campérin, Torbec, Saint-Jean du Sud, Aniquet, Chantal, Port-Salut, Cavaillon. Et Saint-Louis du Sud pour nous passer à 24 sur 24. C'est pour rêver. C'est une réalité. Pour qui ça? C'est parce que son pouvoir, que mon peuple qui était moi, je décide de gommer avec mon pour moi, je décide de pas gommer mon que je vais gommer. Ou même qui est dans la politique, je ne vais pas gommer. C'est la démocratie. Nous. C'est droit. C'est droit pour venir pour capable de demander des bagages que vous voulez pour le peuple. Là. Mais ce n'est pas droit pour casser le pays. Ce n'est pas droit pour bouler le pays. Là. C'est droit pour venir camper bon côté pour nous gommer. Côte oligarchie pourri ça. Bali, Bolova. Haïti c'est pour yoli. C'est droit ça. Et c'est avec eux que m'a goumé. M'a goumé contre tout. Parce que ou même ou sont victimes même j'appelle ça. Ça veut dire jodi a nous prenons décision pour nous casser tout ça qui compte population et nous prendre c'est là nous aller. Personne.
pas qu'à empêcher nous. Parce que le peuple là, c'est lui qui va nous pouvoir. Et le bon nous pouvoir pour nous faire. Je répète, chaque monde qui connaît le combat et l'étape dans mon, pas quitter c'est moi qui viens chercher le. Parce que dans la dernière année, je viens chercher le très lèvre. Pote le bon. Bali, bon l'homme. Pote le bon, moi, parce que le papou, le papou, on met lui. Met lui, c'est le peuple haïtien. C'est moun sa yo kap viv nan arrière pays a ki pa gen personn ki pou défendre yo. Moun kap viv nan bòt mè Jean Abel yo, moun kap viv nan Grand Gosier yo, moun kap viv nan Belance, nan Bénin, nan Cajacmel, moun sa yo, sa ici yo même j'ai avec nous. Moun kap viv nan Valier, nan Montbé Cochu, moun kap viv nan Capoti, moun Sylvestre yo, moun Guadeloupe Lawrence yo. Moun sa yo, moun akul samedi yo, c'est moun même j'ai avec nous yo. Nou pa ka blye yo. Nou pa gen droit abandonner yo parce que si nous besoin construire un pays meilleur pour haïtien qui a venir c'est aujourd'hui pour nous commencer et pour nous commencer il faut des monde qui ont courage qui dans notre pays là des monde qui va venir persécuter personne des monde qui viennent persécuter sous développement misère des monde qui viennent dire que leur fouiller mais dans jacout père éternel ou bien dans jacout zaka c'est pour couper parce que jacout peuple l'argent peuple c'est pour respecter ça on pas doit fouiller mais là-dedans et c'est pour ça on profite occasion pour me dire tout le monde Zafè, dialogue là, il est permanent. Nous ne pouvons jamais suspendre par la foule, nous, qui sommes dans l'opposition politique. Et dialogue là, c'est pour le front. Je dis à nous, nous avons un dialogue de bois. Non dialogue de sourd, je dirais. C'est pour nous identifier, vrai l'ennemi, nous. L'ennemi peuple, c'est l'ennemi pao. Pour qu'ils soient campés, pour quitter des gens qui ont fait mentir depuis 10 ans, qui ont enterré nous, qui ont tué. Président, qui exilé président, qui emprisonné président, qui assassiné président, qui léché président. Et puis, moun sa yo, c'est aujourd'hui à vous n'appauré toujours. Moment arrivé pour que voile sa yo tombe dans le pays. Pour qui ça qu'on fait 4 ans pour persécuter moun? C'est la première fois ça arrive dans le pays. Comme on arrive président, ou laisse lui persécuter moun, c'est moun qui a persécuté. Je ne pas sous persécuter personne. Parce que je ne persécuté la misère. Je ne persécuté sous-développement. Je dis à femme du c'est pour nous faire chaîne solidarité pour nous retirer le pays à nos alliés. C'est pour nous faire chaîne solidarité pour payer à l'autre constitution. Pour haïtiens qui vivent dans la diaspora qui riche qui viennent investir dans le pays. Ou à venir dire Haïti qui a une sécurité, il n'y a pas qu'à venir. Et vous-même, quoi doit faire million pour là. Ou à planifier une sécurité pour faire au peuple pour ne pas tourner. Mais la diaspora comprend. Nous avons qui ça a été fait dans le mois de décembre. Vous prêchez nous par l'exemple. C'est gravier que vous obligez de mettre pour la diaspora dans le pays. Pas que les jeunes qui parlent de développement du pays sans diaspora haïtienne. Et là, le pays en Afrique qui a pris aujourd'hui, qui s'est fait c'est diaspora. Ça veut dire que le monde parti, il y a le travail, il y a l'étudier, c'est pour nous connaître une nouvelle porte pour nous tourner. Le culte de la médiocrité, c'est pour nous suspendre ça dans le pays. Pour nous remplacer par le culte de l'excellence. C'est ça pour nous faire. Ça veut dire que les gens qui sont plus forts, les gens qui sont plus capables, c'est pour nous faire position dans le pays. Pour nous travailler, pour nous investir. Pour nous capables de quitter un pays meilleur pour les générations qui viennent. Moi-même, moi, quoi? Je crois que je dis, nous, matin, en pile vérité, frère Maxime qui est en opposition, moment arrivé. Peuple a compris tout le bagaille. Pas occupé, non. Peuple a déboulé le pays, a même dit nous, ça, c'est pas nous-mêmes, nous, l'opposition qui te fait le boulot. Moun servent avec nous. Yo fait nous, fait peuple a boulé le pays. Jodia, moun kap servent avec nous, c'est pour nous faire suspendre parce que peuple a lui-même quitté ça déjà. Peuple a pas travaillé comme ça encore. Il n'a pas fait boulot le pays. Jodia, il a construit. Jodia, nous venons garder bel système ça pour lui. C'est l'argent. Parce que le contribuable international a bail l'argent pour bel bail qu'on s'est construit, c'est pour le peuple là. Peuple là bouqué. Ou même Jodia que gen des moun k'ap chauffé tête ou pour bon menti pour prendre la rue pour venir dans ça pas ça, dans voye roche, dans boule caoutchouc pour la police na arrêté ou recezou. Parce que l'oual nan prison c'est pour qu'on doit aller. Moun ki bon kob, gros kob la ki bon ti monè, la jan nan poche li. Bali, bon lova! Resezi ou parce que jodi a son pays nou yon pou nou construit.
Son pays nous vient pour nous mettre lumière là-dedans. Son pays nous vient pour nous mettre l'eau pour nous boire, l'eau pour nous arroser jardin, l'eau pour nous faire industrie. Son pays nous vient pour nous construire route là-dedans. Son pays nous vient pour nous construire campus universitaire dans la région. Son pays nous vient pour nous construire lycée d'excellence. Même gens, ça prend le fait. Non, non, premier lycée d'excellence, songez, c'est ça que je dis dans la campagne. Je me dis que ce n'est pas possible pour un petit monde. L'un fin fait 6e année. La femme est neuf l'école et puis son code cabrit qui n'amène. Je dis avec Taïwan que publiquement remercier, nous jouons, nous montons un programme avec eux pour 28 millions de dollars pour nous construire le premier lycée d'excellence dans le pays. Pour que Timoun qui est capable, Timoun sud, pour ne pas quitter dans la rue encore, pour nous jouer dans le côté pour entrer. Et capacité lycée ça, la bien capacité pour prendre 750 Timoun. Timoun et non concours pour prendre Timoun qui est meilleur. Et lycée ça, son lycée complet, elle est dans les 28 millions de dollars. Ça veut dire la bien. Là, il y a internat, tout le monde dit, là, il y a mangé, il y a dormi, il y a un côté pour faire sport. Si il y a élève qui te lisse ça, c'est pour parler plusieurs langues couramment dans l'université. C'est ça. Si... Président Jovenel Moïse, nous toujours envie, et alors, n'importe quelle qui a possibilité pour me prendre une pause, ou bien tout le monde a exigence pour que je me prenne une pause. Et l'important pour moi, pour que moi, propose là avec ti et intervention ça pendant environ 15 minutes que président te fait et c'était dans zone Torsel, dans zone Torsel 370 côté qui ont inauguré yon base yon centrale d'INEPA. Président te tout profiter fait déclaration ça. Jovenel Moïse te gen vision pays. Jovenel Moïse t'a pensé Haïti. Jovenel Moïse, t'es loin pour Haïti. Et c'est raison ça qui cause assassin yo manger président. Et docteur Gary Koni, ou met fait sauver. Peut-être ou capable peur, mais ou pas capable parler de ces assassinat président Jovenel Moïse là. Fin met pio atem ba mandou pour faire toute bagarre à la fois. Fin monter cabinet ministériel ou si nous ka krasé, koulev cette traite la krasé le plat. Et puis, fok vérité établie dans le cadre de ce président. Comme on a dit Philippe te fait intervention ça, fom passe le pour payer encore. Président, pour tes sénateurs, et qui différence ou t'as fait? Qui sont pensé ou t'es capoté comme différence? Premièrement, je suis que le président Jovenel va la mourir. Ah bon? Je pense ça. Deuxièmement, problème de sécurité ça va la priver là. Non seulement nous avons mis des structures, nous avons aidé le président à comprendre et forcer pour le pays à bonjour sécurité. Deuxièmement, nous avons forcé tout pour gagner des barrages sociales qui vous faites pour les jeunes qui ne tomber dans la délinquance et juvénile que vous tombez. Bon, je fais campagne ensemble avec le président Jovenel et je ne suis pas capable de me prochain, nous faisons campagne ensemble et je remets et discours, je remets le projet, surtout électrifié. Tout le pays a pris son bagage qui était très bon, qui était très bon. Et barrage que vous avez fait pour porter de l'eau. Bah, les paysans, vous, et agriculture, nous, et pour nous, et pour production nationale là. Oui, je pense que je suis influencé. Et si je suis là, encore une fois, je dis, il va mourir. Mais l'autre, il n'y a pas de mourir. Dans quel monde nous avons quitté pour tout le monde qui est rentré dans le pays, tout le monde qui est rentré dans le pays, pour nous braquer. Dans quel monde nous avons quitté le premier attentat complot sur le président en janvier. Et puis, on n'est pas fait, juste à ce assassiné en juillet. Non, non, ça va passer. Monde qui assassiné le président, tout, c'est des proches présidents. Il y a un peu de monde qui pense ça. Eh bien, il y a tout tape mourir. Il y a tout tape mourir. Je vais la priver. Bon, est-ce que vous pensez que sacrifier le président Jovenel là, ou même le président, ça va priver? Je ne vais pas priver, ça va priver. Premièrement, je ne vais pas prendre la sécurité. Agent sécurité, c'est moi qui ai choisi ça. Je ne vais pas prendre l'agent et la sécurité. Deuxièmement, si mon position, je prends le net et malade, je ne vais pas hésiter. Position, je vais prendre là-dedans, je vais là-dedans. Et je ne suis pas sûr que je suis sécurité. Je ne peux pas faire révolution, je ne peux pas changer l'État. Tout ça, président Jovenel, je dénoncé. Je ne peux pas faire s'il va assurer la sécurité parce que je vais tuer quand même. Et je te dis ça. Je te dis ça ici à Corail. Corail qui est tout près. Je ne peux pas chaver, je dis madame Martine Moïse. Je dis, j'ai président parlé, vous avez assassiné. Et pour qui est assassiné. On t'a entendu ça? Avant de kidnapper, je dis. Mais ça faut que tu aies ça. Parce que discours, parce que j'en ai parlé là, réforme libre à le faire, sale deal libre à le faire, agriculture. Ou pensez, et mafia qui a fait importation abusive du riz.
C'est plus qu'un milliard de dollars, ils n'ont importé du riz. Le président, même Maga là, c'est même Maga là qu'on va faire face. Je vais neutraliser. Je vais vous garantir qu'il va neutraliser. Il y a un travail pour développer un pays d'Haïti, mais il va neutraliser. Il n'y a aucun monde qui va quitter. Parce que soit là, c'est même Maga là sous ta président. C'est même Maga là qu'on va faire face avec. Ça, mais c'est ça, le président Jovenel était hésitant. Le président Jovenel, son guide, son pellier. Puis donc, c'est dans le paix. Ou bien, il fait pasteur. Parce que comment vous voulez dire, on va battre un système corrompu comme ça. Comment vous voulez dire, on va battre avec des nègres qui font des millions par semaine. Ou bien, qui importent des milliards de dollars dans le jury, 20 blackouts dans le pays. Comment vous pensez qu'on va battre avec un système ça et vous ne pouvez pas même contrôler la sécurité yeah. Pour pas contrôler la sécurité. Moi-même, je dis que ça, c'est des questions, c'est des bagailles. Pour n'importe monde qui veut Haïti, river côté Libéan, nous pas obligé de travailler sur eux. Faut que nous suspendons la question d'importation abusive, on sait des bagages que nous avons fait en Haïti. T'as coup du riz, t'as coup pas de tomates, t'as coup l'huile. C'est ici en Haïti pour faire. Je, c'est ici pour faire. Poule, c'est nous pour faire pour l'eau. Comment vous voulez dire, tout ça nous a produit, nous quittons la mafia à l'autre pays, contrôler le pays politicien en Haïti, et puis nous-mêmes craser la production nationale. Accepter une série d'aides qui a tué le pays. Premièrement, ça, le président Jovenel a fait ça. N'importe quoi, il a fait, c'est 10 blancs, s'il vous plaît. Pas bonne aide encore. Aide ou pas bonne aide, nous n'avons pas besoin d'aide. Guy, économiquement, qui j'en vive, je veux dire. Ou bah oui, ils sont grands propriétaires terriens. Vous voyez combien de jardins de non, il y a un petit business, il y a un petit photo MDA là. Ok. Je n'ai pas besoin de pile pour me vivre, je n'ai pas besoin de pile pour qu'elle me content. Donc, moi, j'ai tout ça pour qu'elle me content. Donc. Seul ça qui était pour m'a fêté chaque jour, c'est peuple haïtien moi qui vivre dans le monde. Mais l'autre sorti États-Unis, accueil sur des jeunes. Tout le monde dit comment il fait jeune. Tout accueil ça. Ça t'es fort. Je suis content avec le peuple, moi je suis content avec le pays, mais je remercie encore pour l'accueil là. Sûrement, je comprends même plus bien que l'autre. Privilégié. Yeah. Parce que moun yo connaît, yo kap senti ça. Nan ou, l'on pas sous bluff. L'on dit yo vin fon travail, c'est pour yo lié. Si yo fon confiance, yo machin avant. Yo te fait ça à Aristide. Yo te fait ça au président Jovenel. Je suis tout après la molle là. Et yo te bon chance ça pour me sentir. Gomba, yo te dit ça. L'amour ça. Te dit, petit tout États-Unis? Oui, tout le temps. Madame ou tout? Hein? Madame ou non? Bah, madame. Ok. Bon, ou pas peur pour petit tout yo? Pendant on parle. L'ambassade américaine, comme ça, ou pas peur pour famille aux États-Unis. Petit moi, guerrier, oui. Petit moi, c'est en Haïti, il a bien vivre avec moi. Il a tout accepté, c'est Haïti, il voulait vivre, oui. Et puis, petit moi, accepté que moi-même, moi, j'ai vu, j'ai vu pas. Guy, en tout cas, merci un peu, man. Et surtout courage, man. Merci un peu, voilà, man. Dis, peuple, courage, n'a pas guerre. Qui toujours a des problèmes? Côté toute structure de sécurité sous compte étrangère. L'ambassade américaine, c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met le ministre, c'est lui qui met le premier ministre. Nous sommes très salvés là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun homme ne peut dire rien. Si nous ne mettons pas un frein dans une mauvaise pratique, ça, vous mettez des Kenya à venir là, tout le monde a venu, après 2-3 ans là, la situation n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a pas de bataille avec gang, il n'y a pas de bataille avec l'armée. Si il n'y a pas de bataille avec l'armée, il n'y a pas de bataille avec gang. Et pas de gang qui va remettre aux armes. Donc là, au final, il y a 2-3 ans. Haïti a tombé dans un trou pirate. Chaque jour, nous avons un trou, c'est pour nous assurer comme peuple, comme nation. Nous mettons des conditions, madame Douane. Nous disons, ok, mon autre chance, nous baillons toute société. Nous disons, même, on te vole comme Petro-Caribéa, on te font équipe faux bagaille, ou prend l'argent, nous prions pour nous donner. Moyennant qu'on remette comme ça. On te vole comme tremblement de terre là, nous prions pour nous donner. Moyennant qu'on remette comme ça, d'une côte comme là. Ou t'es assassiné, ou t'es kidnappé, ou t'es gang, nous prions pour nous donner. D'une qui est-ce qui est bon zam ça. D'une côte aux jeunes zam ça. D'une l'argent qu'on fait à côté au métal. Dans qui banque, qui structure et qui met sous place pour une bonne munition. Pour nous comprendre le problème, pour nous entrer dans le profond des problèmes et pour nous résoudre le problème. Okay. Donc c'est ça qui est amnistie. Ce n'est pas impunité amnistie. C'est bail pays en chance pour le vivre. Et amnistie n'est pas pour gang, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, je me dis, politicien fait pays a plus mal. Ancien président, ancien premier ministre, ministre régional fait pays a plus mal que gang. Donc c'est pour ta compte amnistie. Et pour la plus bon. Élection fin faite. Ou élu, même avant de prêter serment, donc gagner arrestation qui fait que Arito est maintenant aux États-Unis. Qui expérience tout le temps ça au fait dans la prison aux États-Unis? Qui l'autre Guy Philippe que nous gagnons aujourd'hui? Bon, je pense que
Arrestation, je ne vais pas faire. Il faut que tu fasses parce que tu as peur. Tu as peur de discours. Non, puisque c'est soit je m'a fait aujourd'hui, là, c'est ce que tu as fait de toute façon. Je vais juste retarder. Parce que depuis le samedi, clair. Et au même temps, nous avons des discours en Haïti, mais au même temps, ils ont analysé. Moi, clair depuis le samedi, il faut qu'il y ait justice sociale. Il faut que le pays a changé, il faut que la structure a changé. Donc, blanc avec complicité en Haïti, traite de l'intérieur, ils ne peuvent pas comploter pour faire ça. Ils ont dit qu'ils comploté Guy Philippe Guémanda. Même tout le monde là. Bon, je ne sais pas si vous avez un mandat, écoute mandat. Ils ont dit que Guy Philippe, c'est drogue dealer. Écoute drogue là. Puis ça, c'est pour l'argent. Comme vous dites, c'est l'argent. Top l'argent. Écoute l'argent. Ils ne peuvent pas faire un dollar. Il va pas montrer un bout de drogue, il va pas montrer un rien, il kidnappe un sénateur. Pourquoi derrière moi? Mais où te plaider coupable? Est-ce que son stratégie pour ça? Ou pas capable de coupable parce que c'est ça arrive, c'est pas tant qu'à preuve. Ça, exactement. J'ai prend l'argent, j'ai présenté le avocat là. Il dit c'est tant qu'on fait un conspiracy. Il avait dit ou conspirer avec l'autre monde pour te faire mal. Pour des gens qui sont dans la drogue qui disent, yo bah Philippe Cob. Ou pas contre ça retire charge drogue. Et puis on dit ok, non, c'est là qu'on gagne. Toutes les filles, ils font là. Ils disent que Philippe doit dire, go doit dire. Quand ils viennent aux États-Unis, ils disent nous allons jugement. Au moment où on parle, il faut que bon, faut que montre qui pourrait venir contre nous. Oui, parce que ils disent oui, lors des commandes au Cap, le 13 janvier, avec le 7 janvier 2000, avec le 13 janvier 2000, et date ça plus ou moins. Et comme ça, en semaine, il y a tel bateau dans les États-Unis, ils disent c'est un bureau, même il y a les devants, ils vont comme mener les drogues là aux États-Unis. Mais ça, on va te connaître. Moi-même, moi, j'ai pas de en fait tout mois janvier 2000 États-Unis parce que petite moi t'as fait et dans et accouchement mais c'est octobre bon, c'est un public defender de gain non des avocat pas des gain avocat pas donc qu'on y a là le mbala avocat me dit avocat OK mais passeport me garder pour en 2000 c'est pas là me dit comment me fait là et puis dans le bureau mon personne bon comme dès lors et c'est celle ça n'est que rien et n'est que rien moi prend chaud et puis on dit non c'est pas drogue c'est l'argent on te prend l'argent mais drogue dealer l'autre commandant qui a beaucoup d'argent jusqu'à présent au Soje Bank Soje Bank te baye comment encore rapport dit me gon paquet dollars al Soje Bank nous même c'est journaliste al Soje Bank al garder pour si gon seul côté me gen 3 millions de dollars américains on seul jour bon OK si je joine 300 millions américains bon OK on met condamné qu'il y a avocat là dit comme ça que faut prendre plia ou pas ka gagner en conspiration charge ça c'est nèg démocrate qui vient avec en 1994 qui mettait pour écraser nèg noir aux États-Unis. Depuis qu'on met une conspiration sur vous, n'importe qui prend en prison, il dit ok, viens dire oui. Dis où tu es, monsieur. Il n'y a pas besoin d'aucune preuve, non? Deux mondes. Et l'autre, il finit de mettre conspiration sur moi, il prend n'importe 10 nègres analytiques dans la prison, puis il dit ok, oui, nous allons défendre. Généralement, le public attorney, ça nous est les. Public defender? Non, le public defender, c'est avocat, l'état mité à la justice. Ah, on parle de attorney général, là, c'est comme si on a du commissaire. Prosecuteur. Oui, prosecuteur. Le offre plus bargain, là, c'est comme si on a du gain en pile preuve. Il connaît que vous pas qu'à venir défendre vraiment ou bien. Donc généralement c'est ça. Non, elle comprend. Vous connaissez loi et il va baser sur loi germano-urbanique, c'est sur jurisprudence américaine. Donc il pas besoin de preuve, il pas besoin de rien. Depuis il y a deux monde qui dit oui, mais ça a été fait. Ou pas même besoin qu'on monde y a condamné. Qu'on y a l'ordre dans prison qui traitement là, ou est-ce que il y a monde qui vient parler avant qui vient dire des bagailles comme si m'ta dire de l'autre bagaille. Parce que bon pour juste qu'on y a en Haïti mon toujours bon doute dit quatre men est-ce qu'il a dit à Guy Philippe est-ce que le bon mission est-ce que d'accord pour le fond bagaille le tourner qui comment te planter eh bien si mais on a une mission pour me faire révolution mettre au dehors dans pays bon mais tout n'a mais quelque soit ça dit au monde là comme si mon n'a toujours combat dans tête lui mais comment traitement on était généralement là dans prison bon soit prisonnier mieux traité dans prisonnier mais ça qui passe tout prisonnier pas tout le même traitement ça dépend moyen de vous gagne moyen dans quelque soit pays ou qu'on fait prison en plus bien qu'on l'autre ou gâcher téléphone ou gagner tout ça bien ou qu'on manger plus bien d'ailleurs dans prison par exemple c'est pas dans prison Haïti ou gagner market yo ou gagner acheter belle tennis ou acheter tout ça pour manger ou gagner microwave ou gagner ou gagner toute bagaille toute prison va même traitement ça dépend de qui sont dans toute prison États-Unis c'est comme ça en tout cas dans tout ça moi côté me dire là moi bien moyen de pour vivre bien dans prison et très bien justement c'était commandant Guy Philippe cette intervention ça toujours envie partager ensemble avec nous dans le cadre d'émission parce que nous trouvons que c'est extrêmement intéressant pour nous mettre. Alors, nous avons tourné comme ça, Kembe la balague, même intervention, question qui ça qui intéresse la Dominicanie. Nous avons plus de détails dans les affaires qui sont pour avec déstabilisation du pays d'Haïti, comment le faire arriver là, gagne 400 marques qui prend dimension et qui pour une capacité armement extraordinaire, ZAM qui rentrent
dans pays par la frontière et que nous gagnons avec la Dominicanie, nous prenons l'OL dans la démission. Et en plus de ça, Normil Rameau, est-ce que c'est lui qui a directeur général de la police nationale d'Haïti? Nous prenons ça tout à l'heure comme ça, dans la deuxième édition, il faut mettre tout pour journée. Kebe la balagine a tourné tout à l'heure comme ça.